laisser. Ça, c'était le mauvais bouton, lol. C'était pas une histoire de bouton, le crash. Je sais pas pourquoi, en fait, il me met. À la fin, j'ai un message d'erreur et je ne sais pas pourquoi. J'ai un message d'erreur qui me dit, en fait, envoyer le rapport ou ne pas l'envoyer. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il me l'a fait tout à l'heure aussi alors que j'avais rien installé. Donc, bon, bah écoute, hein, machallah, on verra bien. Du coup. Il y a le Battle Eye aussi dessus. Ah ouais! Ah ouais! Vous êtes chaud! Vous êtes chaud, vous mettez la blinde de mode avec le Battle Eye. C'est peut-être pour ça hein, que moi je galère. Je ne sais pas pourquoi, mais. Je vais retenter, hein, rejoindre. Je sais pas du tout ce qui vient de se passer. Mode, hein, fait une invasion. Putain, encore. Ah la vache. Bon, bah, je crois que ça va pas être pour aujourd'hui de rejoindre ton serveur, hein, gros. Parce que. Il veut pas. Il est clairement pas d'accord. Tente de rejoindre la partie. Non, bah, tu vois, ça, c'est reparti. Hop, et eh bah, écoute, tant pis, je ne rejoindrai pas ton serveur, puisqu'il n'est pas d'accord. Il a eu. Hop, je suis désolé, je le referme à nouveau et je le rouvre en manuel. Hop. Sinon, il va indéfiniment faire crasher. Donc, on va retourner sur le serveur 2x10 qu'on avait tout à l'heure, le simple. Et puis voilà quoi, hein, tant pis. Je vais en parler avec les amis pour régler le problème. Ok, bah, tu. Enfin, de toute façon, tu peux leur. Le problème, il est. Ouais, de toute façon, il n'y a pas grand chose à leur expliquer. Hein. Il est. Problème, je sais pas d'où il vient. Déjà, je sais pas pourquoi déjà, le jeu a tendance à vouloir crasher, mais. Je sais pas. Tant pis. Du coup, on va rejoindre celui-ci à la place. Tu vois, celui-ci qui n'a pas l'air de générer quoi que ce soit. Sachant que j'avais pas installé. C'est la première fois que j'installe un mode, de toute façon, sur Conan. Même sur ma partie d'avant, j'avais jamais installé de mode. Donc là, tu vois, c'est. Là, je sais pas quoi dire. En tout cas, par contre, j'ai ce petit problème de crash qui commence à me. Oh, pourquoi tu fais ça, toi? Ce problème de crash qui commence à me courir sur le haricot. Il est impossible de construire ici. Et pourquoi? Qui me dit ça? Putain, t'es chiant, hein? Et où est-ce que tu veux que je mette mon petit bout de base alors? Et si je vais par là? C'est quoi là-haut? Je ne sais pas ce qu'il y a là-haut, mais. Ah bah là-bas il y a un putain de mob. Bon, là apparemment le jeu n'est pas d'accord. Ah mais c'est parce qu'il y a la galère noire juste au-dessus, c'est pour ça. C'est sans doute pour ça qu'il ne veut pas. Ah mais attends, là des fois il y a des mecs qui pop là ici. En fait il est trop près de. Ah putain, évidemment il y a un mec là aussi. Oh, mais c'est infernal. Comment tu veux créer un bout quoi que ce soit? Ah bah je vous garantis, hein, dès que j'ai ce qu'il faut, je ne traîne pas ici. Je me tire, mais alors à l'autre bout du monde. Ce qui me fait chier, c'est que de ce côté-ci, il y a la base. Voilà, tu vois, il y a la base de quelqu'un. Mais de ce côté-là, il y a la base de ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait, Uber? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a bien le cul. Tout maintenant. Putain. Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux aller sans mourir? Maintenant que je suis en surpoids de ces morts. Déjà, il y a ça, là. Ça. Ça. Ça devrait pas exister, ça. Ah, le mec, il a créé un bout de quelque chose, là. Mais il a rien fait. En fait, ça devrait être rasé. Regardez, là. Bon. C'est parti, hein. Roulade Adventure. Get ready, ok. Je suis sûr qu'en plus, la majorité du serveur doit pas être, doit être complètement inactive. Voilà, ça mériterait une grosse purge de ces morts hein, ici. Hein. Une bonne grosse purge. Hein. Vraiment, quand j'ai une purge, c'est vraiment. On rase tout. On enlève tout. De temps en temps, on vérifie. Ah. Bah, du coup, le gameplay va être hyper intéressant à ce niveau-là. Hein. Voilà, tuto. Après, on va faire des roulades.
Allez voir, c'est génial. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie de consommer. Hein. Parce que sinon, mais waouh. Mais non, mais non. T'as pas envie, arrête. Non, non, t'inquiète pas, je m'en fais pas. J'ai déjà une situation bien pire que ça. Je vais mettre en déplacement auto. Il y a la hyène de tout à l'heure, elle est là-bas. Mais gros, mais c'est pas vrai, mais c'est... En vrai, elle m'a suivi, mais elle m'a pas lâché. C'est incroyable. Je vais être obligé de brain. Et voilà. Comment t'es fait? Eh bah tu fais pas. Est-ce que ici je peux construire? Mais putain, mais c'est incroyable! Mais pourquoi je peux pas construire? Placement incorrect pour un bâtiment, mais. Il y a des crocodiles de ce côté. Bon, bah, demi-tour. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je vous jure, je vais cliquer dans le, sur le monde entier. Hein. On va voir, à un moment donné, ça va se placer. Hein. Je te dis, moi. Bon, ici, j'essaie pas d'aller en face. Ah, mais là, je suis près de. Regarde des casiers, là, ils vont casser les couilles à tous les coups. Ce territoire appartient déjà à quelqu'un. Alors, si lui il a pu, pourquoi moi je peux pas? Placement correct pour un bâtiment. Tu vas voir, mon gars. Je vais te rendre correct le placement. Tellement de monde que ça en devient impossible de placer quoi que ce soit vu qu'ils sont déjà 150 000. Ah, alors que le putain les meilleurs spots ouais, c'est près de l'eau quoi. Je sais pas trop où aller du coup. Hein. On va tenter hein. Je peux pas poser ma paillasse du coup. Mais je veux pas construire, je suis juste posé un petit tissu dégueulasse, regardez, c'est moche. Bon, bon, ça me casse les couilles, mais au possible. Alors, on va run, on va se mettre carrément ailleurs, parce que ça me... TNF, et bah TNF, bah dis-toi bien, parce que regarde, en plus c'est moche. C'est foutrement moche ta base, là. Wow, j'ai pas dit que je vais aller là. Alors, où est-ce qu'on va aller du coup, vu que t'as pas envie. Bah, c'est pas grave, je vais changer d'endroit, je sais pas bien. On va aller... Ah merde. Bon, en fait, vu de la carte, ça a l'air facile, tu vois, tu dis hop, on va tout droit et puis c'est bon, quoi. Et ouais. T'as l'air méchant, toi. Contourner. Toi aussi, t'as l'air méchant. C'est normal que tu peux pas construire en même temps. Regarde ça. Hein, au milieu de nulle part, il y a une roue des esclaves. Oh. Encore une. Et encore une. Oh putain, il m'a fait peur. Motherfucker. Mais regardez ça. Mais c'est normal que c'est le bordel. C'est tout à fait normal, on arrive encore sur un bâtiment. Waouh! Waouh! C'est quoi ça? Damn! On dirait le méchant dans la planète au trésor! Putain! Mais ils sont immondes! Du charbon, ça pourrait être pratique plus tard, mais. Ah, je peux construire! Ça, je sais ce que c'est, ça. Ça, je sais ce que c'est. Ça, c'est les nids des bestioles qui sont juste là-bas. Oh, putain. Il y en a une, là. Mais je peux construire. Ah ouais, mais j'ai pas envie de construire, là. C'est nul, c'est moche, c'est dégueulasse. Tu vois, quoi.
Il n'y a pas un monde de charge. Oh, il y a des escaliers. Oh, le cheat. Hop là. Attends, on va pas sprint parce que là, la chute. On les connaît bien, ces chutes-là, là. Vous savez, celles qui font que tu meurs comme une grosse merde alors que t'as passé 5 heures à trouver un truc. C'est bon, attends, imagine, là tu cours comme un con et regarde, imagine, là tu cours comme un con et en fait, pof, il y a un trou. T'es mort. Pourquoi je peux pas aller à droite là? T'es sûr que je peux pas y aller? Mais gros, mais PTDR. Mais fallait le dire, fallait mettre un message, un truc comme ça. Putain. Mais dites-le avant. Oh non. Attends, t'es là-bas. T'es tout là-bas. J'ai gardé quand même ce que j'avais sur moi. Oh la vache. Ah comment ça me saoule. Bon, du coup, on va changer de strat, parce que franchement, là, ça me... On va aller directement préconstruire une base de ce côté-ci. En revanche, je tiens à dire que la mort risque de survenir à tout moment. Ce qui veut dire que cette fois-ci, on va construire quelques paillasses et j'en replacerai de temps en temps. Sauf s'il faut détruire la première, sauf que je ne me souviens plus du tout. Bah RIP, tu m'étonnes, putain! Je pensais, tu vois, en fait, moi, je m'attendais tellement à ce que ce soit un champ de force, en fait. Juste un champ de force. Mais pas du tout. Attendez, la canne me semble pas bien placée. Voilà. Je m'attendais, bref. Tu vois, c'est comme dans les jeux, quoi. Tu sais, tu t'avances, ça bloque, et puis basta. Bah non. Bah non. Là, le jeu, clairement, gros doigt, quoi. Ah non, là, je suis pas d'humeur. Je suis pas d'humeur. Vraiment pas. Sale bâtard. Bah oui, je suis bien mal. Comment tu veux ne pas avoir mal dans ce genre de cas? Ah, ce jeu, je l'avais oublié. Comme des fois, il pouvait te... Pow. Petite douille, là. Du coup, je vais passer... Je crois que je vais juste longer ce putain de cours d'eau. On va arriver ici. Ensuite, on va aller je sais pas où. Ou alors, je reviens là. Ou alors, je reviens là-bas, je reprends. Par contre, je fais pas le con. Par contre, je fais pas le débile, j'essaie pas de faire le ninja aventurier Warrior 22000. Et au lieu de ça, on suit le chemin. Parce que j'ai l'impression qu'un mec, un jour, il s'est dit, il y a un con, il va essayer de passer par là, c'est obligé. Du coup, je vais lui fabriquer un chemin. Mais comme un con, enfin, ça reste con, et bah il est con. Et du coup, comme un con, j'ai tenté... Oh, du poisson. Attendez, est-ce que je suis super cher? What the? Eh bien non, ça ne marche pas du tout. Et attendez, du coup, est-ce qu'on repart niveau 1? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non, c'est bien. C'est très bien. Oh là là, oh ces structures dégueulasses, oh c'est pas beau. T'as une map monde, mais le reste est en pierre. Oh là. Oh là là, c'est pas beau. C'est interdit, ça. C'est vraiment interdit de faire des constructions comme ça. J'ai tellement peur de mettre une paillasse et de me dire il va falloir que je retourne la chercher. Je ne sais plus. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut me dire si jamais, si je pose une paillasse, si j'en construis une autre, est-ce que ça écrase la précédente? Parce que j'ai... bah j'ai un trou en fait, je sais plus. Je vous avoue que j'espère que oui. J'espère concrètement que oui, ça... Ça annule l'autre. Très bien. Alors attendez, est-ce qu'on a quelque chose? On n'a rien, c'est pas grave. C'est pas grave, regardez. Hop. 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 Et hop. Ensuite, fabrication de ficelles en masse. Ensuite, fabrication de lits en masse. Oui, il en faut pour en faire. Putain, faut des branches et de la fibre aussi. D'accord. Faut des branches. J'en ai.
Combien je peux en fabriquer? Je peux en fabriquer 8. Gros, on va pas être trop d'en mettre 8. Là. Parce que très important. Je vais tester quand même. Hein. C'est, honnêtement, c'est pas que j'ai pas confiance. Mais gros, si jamais ça se passe mal alors que je pensais sérieusement que... Mais nique-toi là! Putain, il y a des araignées au fur, génial. Ça, ça veut clairement dire passe par ailleurs. Donc on va très clairement écouter ce message. Si tu veux, il va passer le construit ici, ça passe pas aussi. On est pas loin, je crois, d'une espèce de truc où il y a du soufre là. Et un crocodile dans le désert, c'est tout à fait normal. Putain. Maintenant je te crois. Mais je pouvais pas te croire avant, je suis désolé, c'est comme ça. Ça m'a fait trop mal de devoir revenir jusqu'ici. Tu comprends? C'est vraiment trop dur. Toi l'araignée de normal aussi. Ah mais ça donne de la soie ça. Ah non, ça donne pas de la soie, je sais plus. Mais c'est bien, bravo. Bravo, je passe par vous après moi. Cette pute. Tenez un coup de pied. Je sais plus du tout. Tenez un coup de pied. J'appuie sur toutes les touches. Je passe bien. Mais bien tout comme toi, tu vois. Comme je suis pas sûr à 100%, je peux faire. Mais allez là! C'est bon! Désolé, poteau. J'ai pas le temps. Et où là? On est là. Je suis mort ici. Donc faudra peut-être que je commence à décaler. Yo! Salut! Oh putain! Je crois que c'était... Ah, faut que je me réentraîne à descendre les falaises. What? C'est un pacte. Laisse-moi tranquille. What? Pour ceux qui savent pas, je vais vous donner des petits spots très intéressants. Vraiment très très intéressants. Alors, attendez, est-ce que tu cours bien? On continue. Ok, c'est bon. Alors... Alors, c'était... Ici, là, spot de fer, juste là, là. Dans toute la longueur. Gros, gros spot de fer. Donc là, ici, vous avez le spot de soufre. Oh! C'est pas tranquille. Gros, c'est pas une flèche que je vais te porter tout à l'heure. Hein. Wow, là, 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 là! C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme spot hyper intéressant? Bah, dans le même temps... Hop, ici, là, un peu en amont, il y a tout ce qu'il faut en bois, branches, fibres et charbon. Il y a vraiment, mais quand je vous dis tout ce qu'il faut, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Hop là, et hop là. Vous avez vu la technique un peu? Ouais. Et juste à la fin, il se vautre comme bien. Bravo. Ça ne changera pas, puisque j'ai mis quand même environ... j'ai mis environ 1000 ans à réussir à le faire. Mise à mort. C'est pour moi la mise à mort ou c'est pour quelqu'un d'autre? Mais monte! Mais sérieux, mais t'es mongol ou quoi? Oh, oh putain, je peux pas monter par là. Je suis sûr que non. Oh, il va faire nuit. Il va faire nuit. Ça va être nice. Est-ce que je peux me fabriquer une torche? Qu'est-ce qu'il faut pour faire une torche? Il faut un peu de bois et un peu de fibre. On va trouver du bois et de la fibre. Fibre. Ah non, c'est une tempête de sable! Cool! Vraiment cool! Je n'ai pas de masque. Enfin, je n'ai pas de quoi me protéger du sable. Enfin, de la tempête. Eh bien, tant pis. On s'en bat les couilles. Hop. Je vais te mettre là. Voilà. Mais je sais que je pars sur les terres de quelqu'un. Sans tout le monde, les terres ici. Tu sais, un éléphant.
Ah ouais, le mec, il a bloqué l'accès, quoi. Oh, oh le fist up. Oh la vache. Oh, niveau de fils de puterie comme ça, c'est assez... Ça, c'est un baby boss, ça. On va le laisser tranquille. Ah bah lui, il a pas envie, évidemment, c'était sûr. De toute façon, avec le boule qu'elle a... J'avais testé une fois les griffes de Dieu. Parfait spot, je me place tout le temps à côté. Et ça se situe où ça, le spot les griffes de Dieu? Parce que là, là comme ça, franchement, les noms. Je sais plus. Eh bien, on arrive petit à petit à l'endroit où on est destiné comme un trou de balle. Ça appartient déjà à quelqu'un. Mais de quoi? Oh le wesh. Oh, les gros, celle. Pas petite, hein. Alors, attendez. Où est-ce qu'on est mort? Par là-bas. Donc, faut descendre un petit peu. Mais arrête là. Mais arrête. Ah, non, 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 non. Non, non, chop, chop, chop. Oh, ce coup de pression. Oh, de Dieu, j'ai... Hop là. Voilà. Ça me paraît être raisonnable. Ok, faut, être, faut décaler un peu sur la gauche. À gauche du gros village ronde. Là, là. C'est ça. C'est ça le village de Anna. Azagat. Parce qu'en plus, attends, tu lui à gauche du village Azagat. Oh, t'inquiète, je sais exactement où c'est. Enfin, pour moi, après le gros village rond, je vois que ça. Hein. Mais bah, si tu parles d'à gauche, bah, c'est ça dont je te parle, moi, en fait. C'est dans l'espèce de grosse. Ça fait comme un. Tu vois, quoi, c'est des montagnes partout et il y a ça, quoi. Et. Bah, il y a dedans, il y a tout ce qu'il faut entre la roche et le fer et bah, tout le reste du bordel. Hein. En gros, ah merde, je suis pas du tout à côté, il faut que je continue encore un peu ma route. Run, run. Allez, course auto. De mémoire, c'est un poil en haut, ça fait des grosses... Et bah voilà, ok, on est raccord. Comment je fais pour monter là-haut? Mais ils sont partout. Gros, bah ouais, mais je frappe des FDP là, ça va, là, j'ai l'habitude maintenant, mais le nombre de fois où j'ai fait comme ça, vous voyez, les petites mini crises cardiaques là, hein. Hop là, grip, motherfucker. C'est notre salut qui nous attend, oh putain. Ou notre mort, hop là. J'ai gardé quelques petits réflexes quand même, hein. Qui allait se faire foutre avec ses terres, il n'est plus là, il n'habite même plus ici. J'en suis sûr. Hop là. Bon. Et cette fois-ci. Au nom de. Putain. Mais... Grosse bébête, pas tout. De toute façon, quand vous voyez cette espèce de nid là, effectivement, on va chercher à aller dessus. Ce serait bien que ce soit les ennemis qui aient mis ça au lieu de que ce soit quelqu'un, parce que du coup, vu que c'est à quelqu'un. Mais le gars, sa base, elle fait 72 km de long. Bon. On retombe pas dans le piège, bien évidemment. De toute façon, je suis sûr et certain, le mec qui a construit ça, c'est sûr à 10 000%, il est mort 3-4 fois. Par étape. C'est un vieux piège à con. Mais c'est hyper dangereux. Allez. Allez. Je te jure si je remeurs parce que tu m'as fait un... Je me suis fait brain sur la l'emplacement. Non, ça a l'air de bien se passer. Il aurait pu faire ça plus joli. Oh, j'ai peur. Et la limite. J'ai peur encore une fois. Alors, ok, on y arrive. Gentiment. Non, très 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 lentement, mais vraiment. Mais non, mais arrêtez là. Pourquoi je ne peux pas sprinter?
pourquoi je... Ah, je disais, ah, je suis en train de sprinter. Mais non. Ah, ça, c'est du sprint. Tu peux aller te faire en l'écu. Oh, je m'attendais tellement à ce qu'il y ait personne de ce côté-ci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Il y en a vraiment partout. Vraiment, quand je dis, mais il y a quand même... Il y en a partout, de chez partout, quoi. Je crois que le monde entier a tenté de construire à cet endroit-là. Oh, c'est infâme. C'est vraiment infâme. Regardez, il a mis des torches partout! Ça, c'est clairement le genre de mec, gros bâtard. Là, en fait, il fait ça, c'est. Voilà, attends, il empêche les gens de construire, en fait, autour de lui. Ah, ça me saoule, ça m'énerve, hein. Franchement, ça m'énerve de voir ça. Les mecs, ils n'auront aucun scrupule. De plus, il ne doit pas y jouer. Non, vraiment. Mais je pourrais construire ici. Bon, est-ce qu'on va pas se dire que c'est le moment? Non! Aie peur de moi, tu peux me craindre. Crains-moi. Ça appartient déjà à quelqu'un? Pardon? Mais non! Mais non, ça y est! C'est à nous maintenant! Crois-moi, mon pote, vous allez pas construire ce que je vais construire tellement tout autour. Ok, bon. Ouais, construire une maison. J'irai pas jusque-là. Mais... C'est tout ce qu'il faut pour l'instant pour faire des toiles. Pour l'instant, le but c'est de faire un. T'es mort, hein. Ok. Il faut aussi du bois. Ah. Déception. C'était le bruit d'un ours, hein. Vache. Oh, l'enculé. Ah, il m'a fait peur. Est-ce que tu peux me laisser tranquille? Ça m'arrange. Alors, il y a une technique qui marche à 20 millions de personnes. C'est celle-là. Tu fais pas le beau, c'est chez WAM d'abord. Voilà. Alors du coup, on va faire des murs, on va en faire je crois, 10, juste comme ça. Ah non merde, j'ai fait, ah oui d'accord, non je sais pas, j'ai fait un truc de porte. Faire une porte, ça c'est sûr. Des fenêtres, on va en faire 10 comme ça. On va faire le fond, un lit. Je peux pas faire un lit. Fantastique. Faut qu'on tue une bestiole. Dague en pierre. On va faire une dague. On va essayer de le tuer. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'essayer de le tuer. De toute façon, je peux pas faire grand chose d'autre, on va dire. Déjà, ouais, faudrait faire. Ouais, je vais poser une peau. Hein, si tu l'utilises. Et notre toit. Ah putain, il faut la fibre. J'ai hâte de stuffer un peu là. Du coup, on va en mettre. C'est un peu trop d'avoir fait ça. Mais... C'est moi ou ce PC est en train de tourner comme un malade? Hop, parce qu'on prévoit de faire une extension. Oh. Et non. Pourquoi tu veux pas aller juste dans le trou qui est devant toi? Pourquoi tu veux pas aller juste là, ici, là? Pourquoi le seul trou disponible, tu veux pas y aller? Hop, on va refaire des petites fondations. Il faut des escas aussi. J'ai pas appris des escaliers.
Ok, je me disais aussi. Je me disais que je pouvais pas faire grand chose. Ah ouais, c'est normal. Hop, ok. Donc escalier, on va en faire un et deux. On va refaire deux, trois. Bordel là. On va mettre ici. Bon, attends, j'avais dit la paillasse. On la colle tout de suite avant de mourir et de se retrouver comme connard quelque part. On ne veut pas. Pourquoi je peux pas. Chevauche un autre objet. C'est normal. C'est exactement ce que je veux faire. Nice. Je peux pas faire en plus. Je peux pas en faire plus. Faut des cailloux. Oh là là, j'avais oublié comme c'est chiant de ramasser les cailloux. Les marioles, mais attends. Attends mon gars. Quand j'aurai terminé. Enfin celle-là, hein. Évidemment ça de base on va être à chier. Je parle de la prochaine qui va envoyer du lard. Là faut qu'on trouve qu'on fasse des, tout ce qui est. Les forges, les étables, les trucs comme ça, et je vais chercher des esclaves. C'est de quelle touche que j'ai signé celle-là? Hop. On va se blinder en fait en ressources, je crois. Hein. Je m'étendais jusqu'ici parce que j'ai l'impression que je vais pas pouvoir aller plus loin derrière, mais pas plus loin non plus. Regardez ici, si lui s'étend, je suis dans la merde. Ok, question caillou, c'est bon, c'est pas mal. Allez, roulade, plutôt roulade, hein. Et puis au végétal, j'avais dit qu'il en avait besoin, je vais pas ramasser. Voilà, bon, l'avantage c'est qu'on aura tout ce qu'il faut, donc de la nourriture, on a des petites choses par-ci par-là à proximité. Donc c'est très bien. Comment on fait déjà pour faire une construction? Attendez, j'ai ça à prendre. Je sais plus du tout. Ah, j'ai perdu le bouton construction, je sais plus ce que c'est. Tant pis, c'est pas grave. Je vais le retrouver. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas très très beau, mais... Est-ce que pour l'instant ça n'irait pas? Bien sûr que si, ça va aller. Hop, on avait dit une petite porte ici. Et là. Sur le main. Ok, non, c'est bon, elle se fermera toute seule. Ça c'est bon, ensuite il nous faut des murs. Ça je crois qu'il va en falloir un peu. Il faut des angles, il nous faut plus de fibres. Il faudra aussi peut-être que je fasse une caisse en bois pour poser toutes mes merdes. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la ficelle. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faut aller chercher de la fibre. Ça va vite, c'est génial. J'adore.
cailloux aussi, tant qu'à faire. Il faut optimiser le rendement. Bon, après l'épée, je cache pas que je m'en prends un peu. J'en ai marre d'être vraiment surpoids. C'est relou, j'ai déjà assez dans la vraie vie. Alors, une petite caisse ici. Et une autre là. D'abord, on va construire tout un tas de merde. Pas possible. Du type ça. Je sais pas du tout quoi je vais en construire. On va d'abord poser les murs qu'il faut poser. Je sais pas du tout. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas là d'abord? Pourquoi il veut pas ici? Ça c'est sûr, il y a un gars qui va rentrer un jour, c'est obligé. Tu m'emmerdes, tu m'obliges à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Ah d'accord. Ah ouais. Ah putain. Ah bah seum hein, vraiment. C'est même pas ça. Chez. Oh, t'entends pas ce que je te dis? Bientôt un vrai toit. Ça c'était chiant ça quand t'as besoin de faire face extérieure. Ah je me suis pas trompé. Non, non, je veux pas. Où elle est? Ensuite, les parties de toit. Il va falloir quand même en faire quelques-unes. On va pas les faire en briques tout de suite. Hop. Choc. Plus loin. Plus loin. J'ai dit plus loin. Par là-bas. C'est bien là, non? C'est pas du tout bien. Ah c'est bien. Parfait. Tentative de jump. Ça va pas du tout bien se passer. Attendez, il faut ça. J'ai plus de fibre. Putain, sa mère. Ah il me faut de la fibre, putain. Mais qui c'est le con qui cherche à faire des constructions comme ça aussi là? Il y a de la fibre juste devant chez moi. Pourquoi je vais aller chercher la chercher si loin? Là. Donc du coup, il nous fallait sans doute un autre comme ça. On va faire un... Hop. Hop. Voilà, comme ceci. Il nous faut des trucs comme ça. Pour un mec. Putain, t'as pas envie. 1, 2, 4. Oh oh. Et oh, 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 et non, non plus. Ah, ils vont bien. Là. Du coup, faut remettre encore un truc comme ça ici. On va remettre encore un là. On va remettre un ici. On va remettre pas d'autre. Con, je crois qu'il faut juste appuyer sur la touche pour y a du plat ou pas?
Regarde pas de plat. Pourquoi pas de plat? Pourquoi je peux pas en faire un? Pourquoi je peux y en aller? Comment ça se fait? Eh bien ma foi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi, je peux pas. Je devrais pouvoir faire un plafond. Bah c'est là. Je suis con moi. Qu'il est débile. Voilà. Maintenant on y voit bien. C'est pas grave. Les torches. Torches improvisées. Je sais pas si c'est... C'est ça que je veux. Donc les torches, les torches, les torches, les torches, les torches, les torches, les torches. C'est où les torches murales? À la table de travail d'artisan. Ok, d'accord. J'ai pas dû la prendre, évidemment. Fabricant de meubles. C'est pas ça. Ça. Peut-être dans survie, alors. Il faut qu'on fasse un chaudron à creuser ou un autre. Déjà là. Alors, il y a plein de murs en graisse. Bon, salut Ardaco. Attends. Anna Rosco. Voilà. Putain, j'ai mal prononcé. Bienvenue à toi. Et bonjour. Alors. Salut, et salut à Grim aussi. Bah dis donc, je me perds dans les pseudos. De ton crâne, crave sur le plat. Le plafond plat. Ouais bah et du coup bah merci, du coup je suis désolé, j'avais pas lu le chat, j'étais à fond dedans. Et du coup bah voilà quoi, je suis désolé. Je n'avais pas vu ce que vous disiez. Maintenant je cherche à faire des torches, sauf que je cherche l'établi. Matériaux consommables, objet de construction. C'est pas ça. Et j'ai l'impression que c'est. Que j'ai juste bien dans le cul en fait. Hein. Massue, ça va être utile ça. Mais. On va le prendre, hein, tant pis. Fabricant de meubles, et puis à tous les coups, je vais trouver là-dedans. Je sais pas. Oh, le tombé. Établi l'artisan turanien. Pourquoi j'ai l'artisan turanien? Ah bah putain, juste là, mais je suis trop con. Mais pas du tout, c'est vrai qu'ici on a de la résine et pas des branches.
Eh ben on va les ramasser. Ce n'est pas grave. J'en avais déjà plein des branches. Ouais, c'est ça. J'ai le DLC Turanien. J'ai trouvé des construits vraiment très très belles dedans. Et honnêtement, bah, je regrette pas. Hein. J'avais fait une construit de malade une fois et. Déjà, c'est bon. Honnêtement, j'ai pas été déçu de. DLC. Eh, c'est que ça recommence à ressembler à un petit truc. Hein. Il y a de la, ça de la gueule. C'est pas mal. Une petite chaumière là. Hein. Bon, de toute façon, hein, pour l'instant. Eh. Alors, attends, toi tu. Pas t'enlever toi. C'est moche. Attends, d'abord, on a dit qu'on fabriquait des torches. J'en ai fabriqué, ok, 1 690 000. Ok, les branches. Hop, et ensuite. Fabriquer 8. Est-ce que moi je peux fabriquer d'autres torches? Des biennes, puisque je n'ai pas de bois. J'ai du bois. Fabriquer 32. Ah ouais, ah ouais, 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 ouais. Alors on va faire tout un tas. Et là, je me tâte à acheter deux DLC, mais je sais pas, faut que j'aille comparer. Attends, je fais un tab. J'espère que ça bug pas. Bien sûr que si, que ça bug dans le jeu. Bien sûr que si. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va aller sur Instant Gaming. Hop, on va taper ça. Hop, ensuite on va taper. DLC Conan Exil. Alors... Ah, il y a le nouveau DLC là qui est sorti il y a pas longtemps. C'est un truc en fait, j'ai l'impression que c'est pour faire des espèces de maisons closes. Hein. C'est... Enfin là, je suis désolé. C'est... Après, voilà, ça dépend pourquoi on joue. Là, il est à 8,49. Et sinon, bah, genre là, il y a les. Les DLC comme la G, ils sont à 7€, ils sont baissés d'ailleurs. Moi j'avais payé 12 ou 13€, quelque chose comme ça. Ouais, vous avez, vous avez des packs qui sont à 5€, 6,40€, 6,39€, ce genre de choses quoi. Bon, intéressant. Intéressant. Bientôt il y aura une maison close. Je sais pas que je vois ça juste pour ça. Hein. Ça se suit pas tout seul. Pourquoi le stuff il est pas comme ça? Pourquoi je suis obligé de les chercher? Pourquoi je peux pas être juste flemmard? Il n'y a pas cette place. Ok. On va fabriquer 28. Attends, 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 attends. 10 et après on va fabriquer. Ah, nice. Ah, faut lui faire. Tant pis. On va déjà prendre ça. Alors, ensuite. Hop. Putain, j'ai hâte d'avoir à nouveau les flammes bleues. Déjà un peu mieux, on va aussi faire l'extérieur. Le Dercreto, j'adore perso. Alors attends, je regarde juste lequel. Attends, Jewel of the Westpack. Seeker, ça, mais ils sont, je vois les noms en anglais. Je suis tellement une bite en anglais. Je sais pas lequel c'est, mais Dercreto, c'est lequel déjà. Je sais plus lequel c'est. Attends, il y a l'Impérial. Riddle of Stern. C'est lequel? Celui de la maison close, comme tu dis. Alors, bah tiens, bah, tu vas pouvoir peut-être me dire, est-ce qu'il vaut le coup ou pas? Est-ce qu'il. Après, en dehors du fait que, voilà, il a peut-être un attrait particulier, il a l'air quand même d'être pas mal. Ils ont l'air. Enfin, il avait l'air d'être vanté, en tout cas. Pourquoi je suis en surpoids là? 140% de quoi? Ça. Et attends, ça, ça dégage. Ça aussi, 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 ça aussi
Et le bois, on va le mettre là-dedans. Débaucherie of Derkero. Je peux pas juste le bouger. Faut que je le renvoie à l'inventaire. En construction, il y a les plateformes pour construire dans les arbres, mais pas de mur ou de sol. Ah, on peut faire ça. Mais c'est pas. Mais attends, c'est déjà ouf. Enfin, je trouve, en tout cas. Moi, je suis peut-être moi qui m'emballe un peu trop, mais honnêtement, moi je kiffe ça. La lumière en veux-tu, en voilà. C'est même abusé et on s'en tamponne totalement. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non. Ok, déjà il y a un peu plus de lumière. Maintenant, faut que je me dise que j'ai une forge à faire. Et que du coup, il va peut-être falloir... on n'a pas été placé. Bah merci, j'ai bien vu. Ah, ça y est. Bien vu. Alors, beaucoup de déco de maisons closes avec des tonneaux, des lits, des bijoux et une petite tenue très déshabillée en or. Ah, bah après, ça dépend. Il y a des tenues qui sont, même si elles paraissent un petit peu, tu vois, quoi, qui restent relativement, en fait, jolies esthétiquement, je trouve. Ça dépend. Hein. Il y a des choses qui valent le coup et pas d'autres. 35 mètres carrés du bois. Peut-être retourner chercher dans ce cas de quoi se mettre bien. Il me faut un peu de bois. Il me faut des cailloux aussi. C'est moi ou j'étais en train de piocher l'arbre? Oh, le coup. Ah bah du coup j'ai eu de l'écorce, mais oui j'ai tout à fait exprès. C'est vrai, pour le tanneur, il faut de l'écorce. Il faut aussi vite que je me trouve des armes, autre chose qu'en merde comme ça. Oui je sais, je ne comprends pas. Non bah en tout cas écoute, ce que tu me dis ça m'intéresse et bah, ce mois-ci, je vais pas le faire parce qu'honnêtement, question pognon, c'est pas ouf. Le Black Friday va faire des ravages encore quelques mois sur mon compte, puisque les paiements 4 fois. Merci à tous les seigneurs du monde d'avoir fait ça. C'est pourquoi j'aurais pas mon PC actuel. Et je pense que très bientôt, du coup, je prendrai des DLC. Je sais pas s'il n'y a pas des packs, des bundles, trucs comme ça avec tous les tous ces fameux DLC justement, parce que c'est vrai que il y en a plein hein. Là déjà j'en vois 9. Bon après il y a le Season Pass, je sais pas si le Season Pass qui comprend des DLC ou quoi. Je sais pas si c'est utile mais... Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Y'a pas d'autres cailloux là? Ah bah je disais surtout du caillou. Il faut plus de cailloux! Ouais, plus de torches.
base de 4 DLC chacun et un DLC complètement indépendant, mais plus pour les fans du premier. Ah ouais, d'accord, moi je suis... Pas du tout. Pas du tout. Je connais pas du tout l'histoire, enfin j'ai même pas suivi l'histoire de ce jeu. Hein. J'ai pas joué pour ça. Moi l'histoire, j'ai retrouvé Conan, mais très honnêtement, bah... J'ai juste fait une bise et je m'en suis allé du coup. C'est pas important. Oh, il va encore me faire chier lui là. Bon, en tout cas il me faut une forge. Ça c'est sûr. D'ailleurs, est-ce que je peux pas la crafter là tout de suite? J'ai pas pris la forge. J'ai appris la forge. Je suis vraiment pire. Alors pourquoi je peux pas la faire si j'ai appris la forge? Fourneau. Bah si, ça... Ah d'accord, en fait ça s'appelle fourneau, ça s'appelle pas forge. D'accord. Mais non, mais arrête, mais j'ai rien fait! Je casse des cailloux! Est-ce que je vais lui mettre? Est-ce que je suis en train de lui mettre? À la force de ma pioche? Attends, j'ai surtout besoin de ma pioche. Attends, t'es sérieux? Voilà, dis-toi! Attends, hop là. Péter la gueule. Hop là. Eh ouais, bon. Oh, cette quantité! J'adore le x10. J'adore tellement le x10, c'est génial. Pénétrer sur les terres appartenant à Overdose. J'adore ça aussi! Alors attendez, parce que du coup, faut pas non plus flinguer toute cette partie de flotte là. Hop, on va remonter dès à présent. Ah putain, c'est ça qui fait chier. Brûler en terre, hop. Pourquoi je peux pas? Pourquoi t'es chiant comme ça là? Ah, ça me saoule ça. Je sais pas qu'est-ce que j'ai construit, j'ai entendu 3-4 bruits là d'un coup, ça fait des trucs dans tous les sens. Oh mais non, mais arrête, calme-toi, j'ai rien demandé moi. Bon. À la limite, c'est pas méchant. On va faire un petit escalade. Là, comme ça, ici. On va le mettre là. J'ai dit, on va le mettre là. J'ai dit, on va le mettre là. Eh, si c'était pas beau. Est-ce qu'on se mettrait pas un truc là? Non. Non, à la place, on va s'étendre comme un enculé. Hop. Puisque j'ai cru comprendre qu'on pouvait pas péter ma base. Eh bah écoute, c'est parti. Ça gêne dans le décor, honnêtement. Hop. Ok. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Pourquoi tu veux plus du coup? Parce que quoi, j'ai plus de cailloux du coup? Ça dégage. Il me faut plus de cailloux du coup.
faut que je prenne garde parce que j'ai plutôt plus de trucs. Attends, si j'étais moins con, j'irais fabriquer des outils en fer. Mais voilà. Allez, hop, on va aller crafter. On va aller poser la forge tout de suite. Le fourneau. Est-ce que je peux pas fabriquer autre chose aussi qui serait quand même relativement intéressant? Un feu de camp, il nous en faut. Non, 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 non. Ça, ça c'est mieux ça. Un creuset, il faut y faire. Un tel de mitra. Il faut plus de cailloux. Il faut plus de cailloux. Ouais, bah tant pis. On va totalement les couilles. T'as mis le charpentier, il va nous en falloir un. Il va nous falloir aussi un truc de tannerie. Il faut encore tout plein de cailloux et d'écorce. On va, ça par contre, on va le faire comme ça tant qu'à faire. On va tout poser tout de suite. Écorce. Ah ouais, bah attends, les écorces, ça par contre, que dalle. Non, ça va en fait. Fibre végétale, il en faut à foison. Des cailloux dans tous les sens. Hop. Et on va utiliser le restant de la pioche pour aller chercher du caillou. Si vous voulez rejoindre le serveur où je suis aussi, n'hésitez pas. Et sinon, il y avait un des viewers qui parlait d'un serveur qu'il avait. Bon, j'ai pas réussi à le rejoindre parce que. Je sais pas pourquoi les mods installés pour le rejoindre n'ont pas fonctionné. Mais si vous ça fonctionne, n'hésitez pas à y aller. Évidemment, vous allez me demander qu'est-ce que c'est le nom. Je vous le dirai plus tard. Du coup, moi je garde mes outils de merde, mais si j'avais des outils en fer ou un truc comme ça, j'en prendrais bien plus d'un coup. Pourquoi je me fais chier? Et c'est tout. C'est tout. Jusqu'au bout. Hey. C'était froid. Faut être sachet. Hop. Ok. Ensuite, où est-ce qu'on va poser tout ça? Est-ce que j'ai quelque chose à brûler? Pas du tout! Ça, il y a aussi l'établi de charpentier, il y a aussi. Je sais pas. On va peut-être les mettre dehors. Peut-être les mettre dehors, je crafterai après les ce qu'il faut pour ça, pas trop loin, parce que forcément. Dans pas longtemps, il y aura les trucs de pêche. Ah ouais, ah et toi t'es. Ah c'est bon. Ok, voilà. Ah nice. Le gars il a pas fait d'escalier quoi. Donc attends. Qu'est-ce que je vais faire ici? Par contre, ça veut dire qu'il me faut un. Ça va s'appeler un sol. Oh. Impeccable. Alors, pour fabriquer des outils en. Je sais plus comment fabriquer des outils. Comment fabriquer des outils déjà? C'est pas la table d'artisan. Ça peut être l'atelier de forgeron. Ou quelque chose comme ça. Charpentier, il y a le meule. Merci en tout cas pour ton follow, mon petit Delta, bien aimable. Je cherche en cependant. Ah bah tiens, la pêche. On va la prendre tout de suite. Paysan, je vais pas prendre ça, je m'en bats les reins. Charpentier, forgeron, outil en fer. À établi de forgeron. F-
forgeron. Tablier de crafter et tablier de forgeron. Il faut de la brique et il faut des barres de fer. Nice. Ce qui veut dire qu'on va récupérer ça. Et on va aller. Hop. Hop. Il faut du bois aussi. Est-ce que je peux scinder? Ouais, je peux scinder, ok. Et ben. Ok, combien de temps j'ai? Oh, bah ça va! Il y a largement le temps. Ok. Donc, en attendant, on a dit qu'il fallait combien en tout? 50 et 75. Il est en train d'en faire. Pas assez. Ok, donc il me faut du fer. J'ai peut-être moyen d'en trouver ici. Ah, par contre, du coup, je suis kiblo pour mes outils. Si ça venait, je viendrais sûrement former un peu. Eh ben écoute, hein, si c'est chaud pour former, au pire, on fait un petit clan et puis on se fait une bête de base après. Mais un truc vraiment sur plan et compagnie, hein, vraiment. Et je déconne même pas, hein, avec. Avec LBK qui était passé un peu plus tôt, on avait fait un plan sur papier et on avait vraiment fait un truc. On avait conçu les tours avant, des tours avec des escaliers hélicoïdales. Et franchement, c'était franchement une vraiment, j'étais waouh, qu'est-ce, c'est nous qui avons fait ça? Waouh, amazing, dude, it's really great. You are so very beautiful. Bon, j'ai fait le détail. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le toit aussi haut ou pas? Quelque part, ça me dérange pas des masses parce que je me dis que je vais pour pas longtemps avoir des ressources. Ah, en chien, en veux-tu, en voilà. Ok, je peux pas faire plus. C'est pas méchant. Par contre, ce qui est chiant, c'est le poids, quoi. Pour l'instant, vraiment, je peux pas faire grand chose. Le nom, c'est FR Mercenaire. Et voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Kuro qui est toujours là pour rappeler le nom. J'ai plus de hache. Je peux en fabriquer une. Si vous, ça fonctionne les mods, je vous invite à aller le rejoindre. Sachant qu'ils ont une communauté qui est principalement FR. Donc, du coup, c'est vrai que c'est quand même assez. Assez cool, quoi. C'est cool de voir. De pouvoir parler avec des gens en français plutôt que quand on te dit, quand on te demande do you speak English? Alors que c'est tout ça, personne n'est fort en anglais, en français on est des billes en cette langue. J'ai envie de tester un truc mais j'ai tellement peur que ça ne marche pas, c'est d'aller chercher loin des trucs et de me suicider. Ouais gros, ça j'en avais aussi, hein, des trophées on voulait tuer, il y en avait. Oh regardez tous les cailloux là-bas, on va aller faire un tour, hop la course auto. Bon, j'avoue, le rouge, par contre, il est quand même chaud. Hein. Quand tu le fais, après, t'es... Ouais, ah, c'est la grande vadrouille. Ce jeu, de toute façon, on est à tous au moins une fois parti à l'autre bout de la map, aller chercher un truc et revenir comme ça. C'est juste, je sais pas où ils sont, les... Je vois pas de minerai de fer, en fait. Et honnêtement, je suis là. Si je dois aller ici... Ouais, tu me diras... Par rapport à la route que j'ai fait pour venir là, ça va. Mais pas maintenant. Non, non, une autre fois. Pas aujourd'hui. Qu'est-ce donc là-bas? Je peux pas zoomer? Non, ça arrive. Pas zoomer. Des branches, je vais en récupérer parce qu'en fait, je sais pas si j'en ai beaucoup au campement. Mais je crois pas. Si on pouvait trouver du charbon aussi, parce que si je dois cramer tout mon bois en... combustible, ça peut le faire. Sachant qu'il va falloir aussi faire des planches à un moment donné. Tellement de ressources qu'il faut transformer, puis retransformer, puis retransformer. Ah, j'avais oublié tout ça. Ah là là. Mais c'est pas grave, c'est bien. Je crois que le max que j'ai fait en session de farm de pierre en
en serveur foyer, c'est genre 23 000 de pierre. Mais plus d'une heure à farmer, hein, avec des pioches en métal stellaire et compagnie. Hein. Et booster justement pour la récolte, avec des boosts de récolte. D'ailleurs, faudra que je pense à les mettre. Parce qu'en vrai, j'aurais pu aller en serveur perso et vous savez, bah, en fait, tu craftes tes éléments et puis voilà, en fait, c'est tout. Sauf que je me dis, c'est pas un serveur public et si je suis pas co, donc personne peut y aller. Donc c'est un peu con. Déjà. Alors que là, bah là, je sais pas, si vous voulez rejoindre, vous pouvez venir. Si jamais, même si je suis pas là, si jamais mes potes veulent venir, ils peuvent venir. Bon. J'ai pas l'air d'avoir grand chose à en faire ici en tout cas. Faut juste pas tomber sur un putain de loup. Alors attends, là-bas il y a une base. S'il y a une base, vous savez ce que ça veut dire. S'il y a une base, c'est qu'il y a des choses intéressantes autour. Et s'il y a des choses intéressantes autour, ça nous intéresse. Est-ce que vous pourriez me dire aussi dans le chat si jamais c'est fluide ou non, s'il y a quelque chose à changer Parce que là, moi, en soi, la seule chose qui me pénalise, en tout cas, de mon côté, c'est Mako, pas plus. J'ai vraiment que Mako, moi, qui pourrait me pénaliser. Je suis à 12... Je crois, je vais peut-être à 12 mégas, un truc comme ça, en up, et à 6 en down. Donc ça va, ça reste quand même réglo, hein. C'est pas dégueulasse. Vraiment, je peux streamer en 720p. Mais ouais, s'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à me le dire. Je prendrai grandement vos conseils avisés. Non, ça va, ok, bon, bah voilà. Reste comme ça. Hop là, le double caillou, c'est la technique, hein. Oh, fini le caillou. C'est un caillou, ça? Non, c'est pas un caillou. Ça sent le fer. Santé. Ça sent le fer. Je sais pas pourquoi. Alors, bon, ça sent le caillou. Oh, ça sentait le fer. Oh putain. Ah. Ouf. Ouf. Oh les sessions. Ça sentait bien le fer. Nice. Ah, on va rentrer avec du fer. Enfin. Si on rentre. Parce que si jamais je me suicide, je sais même plus c'est quoi l'intention pour mourir. Si je me suicide et que je retrouve pas tous mes trucs. D'ailleurs, si tout à l'heure j'avais mes trucs sur moi, hein. Toujours ce petit stress, hein, que t'as fait un truc, tu t'es suicidé en te disant voilà, tout va bien, machin là, et je sais pas, et t'as tout fermé. Ah, la moindre caillou, je vais le miner, hein. Balèque. Même les cailloux, hein, les cailloux normaux, il en faut, les briques, oh là là, pour faire une grande base, le nombre de cailloux qu'il faut. Faire des briques, ensuite refaire des briques dures. Je viens de me faire taper par le caillou là. Je crois que je viens de me faire taper par le caillou. Il te faut vite un pet pour. Le transport en fait. Ah ouais, les mecs ont les trucs sur le dos là. Ouais, mais ça c'est. En fait, principalement, d'abord j'aimerais bien essayer de trouver des esclaves pour commencer déjà la grosse production en masse. Mais sachant qu'en plus, après tout ce qu'il y a là, ça va dégager. Hein. Vraiment, je vais tout défoncer après, je vais repartir dans les montagnes pour être en quête en fait déjà de métal stellaire. Et voilà, et j'ai pas pris les obélisques. J'en ai pris un pour l'instant. Ah non, moi je prends un éléphant pour le transport, ça a plus de gueule. Ouais, tu me diras, c'est vrai que... Pourquoi se faire chier avec un humain? Mais je m'en suis... Alors, je t'avoue, je m'en suis jamais servi, donc je sais même pas comment ça fonctionne. Je crois que c'est CTRL-K pour mourir. CTRL... Attends. On va mettre... Ici, une touche. Alors, comment on fait pour mourir? Clé de bagage, CTRL-J. On va essayer ça, sinon... Il y a suicide CTRL-K. Non. Bah non, c'est ma touche de... Je suis con, moi. Retirer le bracelet. Ouais, je suis à peu près sûr. Paillasse. On va pas ailleurs que la paillasse. La paillasse. Je t'avoue que donc... putain, à chaque fois, je bégare. Okay. Bon, désolé pour les crashs. C'est indépendant de ma volonté. C'est même pas ma machine. Je suis sur internet en même temps. Et en fait, il paraîtrait que les crashs surviennent en fait parce que je suis sur un serveur qui serait. En fait, simplement, je pense que les modérateurs ils n'ont pas tenu le serveur. Donc, c'est vrai que ça me dérange énormément. Ça me dérange énormément en fait parce que.
ceux qui tiennent le serveur, bah, s'ils font pas leur taf, c'est compliqué. Donc il faudrait que j'essaye de contacter, de voir s'ils ont un Discord ou quoi, et de leur dire voilà les gars, bah, s'il vous plaît, bah, mettez à jour votre truc, quoi. C'est pas dingue, quoi. Concrètement, c'est vraiment pas sérieux, je trouve. Donc bon, voilà, c'est dans un premier temps, voilà, et puis c'est tout. Hein. Donc, ah, bah voilà, on va avoir largement ce qu'il faut pour faire notre établi. Donc bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, je suis désolé des bugs incessants. Peut-être aller cuire notre bouffe, là. Hein. Moi, si j'étais viewer, ça m'insupporterait de voir que le stream crash. Après, bon, moi, je suis désolé. Je vais essayer de corriger ça. Peut-être même que, bah, tant pis, un jour, je bougerai peut-être de serveur. Mais je recommencerai une fois de plus tout, puis c'est tout. Hein. Ou alors, j'irai en solo et simplement, je crafterai rien, quoi. Je me forcerai à jouer sans voler, tout ça. Je serai un papillon, tout ça. Hop, alors, dans le fourneau, nous avons donc à présent, je crois que j'ai pris ce qu'il fallait, hein. Oula, 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 il y a vraiment trop de trucs. Oula, tac. Hop, hop. Et peut-être que je devrais en garder une. Non, c'est bon, elle est déjà dans mon inventaire. J'ai trop de choses, en tout cas, mais c'est pas grave. Je vais prendre les barres de fer. Et normalement, maintenant, je peux créer. Et... vite forge. Ah. Oh, j'ai faim. Levé à 6h30. J'ai déjeuné, mais j'ai grave la dalle maintenant. L'erreur de se lever tôt. Mais t'as faim. En même temps, j'ai tout le temps faim. C'est chiant. Hop, on va essayer de faire un truc assez organisé, joli, propre. Ah non, 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 attendez. Parce que je vais faire ça. Parce que on avait pris l'habitude de mettre des espèces de caisses de rangement en fait pour mettre les matières premières et les matières finies de ce qu'on fait. Hop. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Si je mets ça dedans. Il faut de la barre de fer et de la branche. C'est pas le problème, on met les branches. Les barres de fer, elles sont là-bas, elles vont arriver. On va se débarrasser d'ailleurs de toutes sortes de choses. Qui nous obstrue un petit peu. J'avais pas posé un truc de tanner. Non. Non, bah, apparemment, non. Oh putain, il faut du bois. Oh, je vais faire, je pense, un de ces quatre hors live, une grosse session de farm et je vais mettre des coffres. Mais alors, laisse tomber, ça va être le bordel. Attends, il n'y a pas ici le truc de tanner. Non, bah non, je l'ai pas du tout pris en fait. Attends, il y a du bois ici. Eh gros, ça va nous donner. Chier, je fais ce que je veux, c'est à moi d'abord. Fabriquer. Hop, le restant du bois. Ah, il est encore là. Où est-ce que je vais te mettre? Peut-être dans le. Ici, là, c'est bien. La vache, c'est creux. Je vais juste arrêter de faire des roulades à tout bout de champ. Cet après-midi, donc je pense que si vous suivez Conan, c'est qu'il y a une raison. Mais alors cet après-midi, je risque de faire du League of Legends, pour ceux que ça intéresse. Accompagné donc de potes que j'ai sur Discord. Donc, après, si jamais donc on n'est pas beaucoup, si jamais vous voulez jouer avec nous, moi ça me dérange pas du tout, au contraire, j'adore ça. On verra, après je sais pas encore en fait combien on sera. Donc, mais voilà, sachez-le. Ok, donc maintenant, on a ça. Il nous faut d'autres barres de fer que je n'ai pas du tout pensé récupérer tellement je suis intelligent. D'ailleurs, des barres de fer, il va nous en falloir encore et encore et encore. Donc, après, on va faire un lit, on va enlever la paillasse, et la paillasse, on va la mettre au début, on va la mettre ici, là, histoire de... Tu vois quoi? Pourquoi le couteau, il est là? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je suis vraiment en train de faire? Est-ce que je sais vraiment ce que je suis en train de faire? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Les cailloux... non, j'avais dit que je voulais crafter. J'ai pas mal de trucs à crafter, à vrai dire. Il faut du bois. J'ai du bois sur moi, j'ai pas mal de bois. 88. C'est parti, ça va pas être de trop.
La fourrure, elle sert à quoi déjà? Elle sert à crafter des vêtements, pour les vêtements chauds. On va donc la mettre dedans. Paillasse, ok. Le corps, ça va dedans aussi. Ça, ça va par terre, ça met à la chaîne. Ça aussi, aussi. Ça, pour l'instant, les briques, j'en ai pas besoin. Alors, matériaux finis, ici. Matériaux bruts. Ça, c'est de la merde. Pourquoi je prends ça, moi? Résine, ça on garde. Je vais faire d'autres briques. Ça sera bien utile pour plus tard. Ah oh ouais, pour faire les briques durcies, il faut du soufre, il faut aller dans le creuset, il faut faire je sais pas quoi, les durcissants, machin truc. Ah, je vous garantis, c'est pas prêt d'être terminé. Hein. Vraiment pas. C'est, ça va être vraiment la merde. Enfin, honnêtement, tout va bien. On va faire. Est-ce qu'on peut faire un peu de ficelle? Je vais en faire 207. Je vais en faire une centaine. Le restant, je vais le mettre. Ah bah non. Non, il est con. Ah, il est con. Je vais encore en faire. Tac. On va remettre ça. Ok. Et on va attendre après des ficelles. Il y en aura un paquet. D'ailleurs, c'était pas 3 par 3 les ficelles, un truc comme ça, ou 5, je sais plus. En tout cas, si vous êtes pas encore. Si vous ne suivez pas encore sur Twitch, n'hésitez pas à le faire, même si vous comptez pas me suivre réellement. Hein. Disons que c'est plus pour un aspect bah, m'aider à décoller, puisque j'ai commencé Twitch il y a 3 jours. Voilà. Et sinon, bah allez faire un tour sur ma chaîne YouTube aussi, qui est disponible sur mon profil. Hein, tapez juste over espace dose sur YouTube, sinon vous allez me trouver. Ou je sais plus s'il y a un tiré. Enfin bref. Beaucoup de vidéos sur Fallout. Après, beaucoup de. Il y a quelques vidéos qui. Enfin honnêtement, après, y a pas grand chose de dingue. Enfin, du coup, moi, c'est compliqué de s'auto-juger là-dessus. Mais bon, je pense qu'il y a quelques petites choses qui peuvent vous intéresser. Il y a pas mal de vidéos tuto astuces. Il y a. Surtout sur certains jeux qui peuvent être pratiques, hein, des expériences perso. Bah voilà, parfait. Ah non, Roscoe qui a compris. Génial. Eh ben merci mon pote. Je sais pas quoi dire, je trouve ça gênant de dire merci mon pote. J'ai l'impression que ça fait comme tous les autres streamers, j'ai l'impression de pas me démarquer, de pas faire quelque chose de différent. Et... Je sais pas, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre, mais en tout cas, merci à toi. Ça me fait plaisir. Je me sens aimé, enfin. Quelqu'un est un même pour ce que je suis. C'est pas vraiment là où je voulais te mettre, mais c'est pas grave. Hop, on va te mettre. Ah ouais, du coup, nice. Moi j'ai mis le côté extérieur devant ma gueule. Hop, is. Face extérieure, je dois être de l'autre côté. Ah, il veut pas en fait. Ah, ok. Bon, bah, tant pis. C'est comme ça. Hop, la face extérieure. Du coup, si je fais tac 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 tac, est-ce que je vais réussir? Eh ben, Mister Jog, merci de ton petit follow. Je sais pas si on dit follow ou subscribe, ou je sais pas quoi. Déjà, je connais même pas la différence entre les deux. C'est vous dire vraiment, ça fait 3 jours que je suis sur Twitch et je connais rien. Vraiment, je pense que vous avez plus. Vous pouvez plus m'apprendre que ce que moi je peux vous apprendre. Hein. Yo, avec ta molette, tu peux changer de sens. Je sais, mais j'ai en fait, j'étais en train de scroller à mort. J'étais vraiment en train de scroller comme un ouf. Et sauf qu'il ne s'est rien passé. Et je pense que j'ai une torche à côté et je pense simplement que c'est la torche qui m'a bloqué. Hop, pour l'instant, on va close. Je vais peut-être pas close ici, je vais peut-être mettre plutôt hop, une petite porte. Est-ce que j'ai des portes sur moi? J'ai pas de porte sur moi. J'ai pas de bois non plus. Et ben on va aller chercher vite fait un peu de bois. Et hop, et hop. Hop, sub c'est quand les gens payent un abonnement sur ta chaîne. D'accord, ok, un sub c'est ça, ok. Et là donc c'est juste un follow. D'accord, j'ai encore un peu de mal sur les différences en fait entre l'un et l'autre. Ça va venir. Un jour. Ah, je vais peut-être faire une deuxième porte. Une deuxième porte. Pour là-bas. On va faire une autre porte là-bas. Hop. Voilà, comme ceci. Et je peux pas là. Je peux pas en faire une. Pourquoi je peux pas en faire une? Mais si, je vais en faire une.
là ici. Ensuite on continue à fermer là. Ok, donc il y a une partie de base qui est hermétique entre guillemets. Est-ce que je fais un toit comme ça droit? Je crois que je vais faire un toit qui va reprendre ce qu'il y a là-bas. Et je vais faire des espèces de... pas des pyramides mais un truc dans le genre. Mais non, mais pourquoi tu fais ça? J'avais pas envie que ce soit là. On va l'enlever. Son, hop, hop, non, oui, là. Parfait. La petite porte. Voilà, ça commence à être pas mal. Maintenant, il faut simplement... comment je vais faire le toit ici? Je ne sais pas du tout. Je vais peut-être faire ça comme ça. Ici, on va... tu es sur Prometheus. Vise plus haut quand tu places des trucs. C'est stupide, mais ça marche mieux. Ouais, bah ouais, c'est vrai que des fois, Après, je béfle un peu, mais... ça c'est normal, c'est moi ça, c'est je m'efflant. Après Fortnite, Fortnite aussi, pourtant j'ai l'habitude, hein, le système de construction pour moi est quand même bien que différent, assez similaire. Et pourtant sur Fortnite j'en ai des heures de construction. Non, mais pourquoi tu fais ça? Bien sûr que ça chevauche un autre objet, c'est normal, c'est le but de ce que je suis en train de faire. Oh, qui est con, qui est con. Alors, SK, SK, ce qu'on va faire, je pense, c'est un petit étage, il y a moyen. Enfin, je vais déjà préparer pour le toit. Hop, hop, pas ici, pas là, pas ici. Ou alors je vais le faire plutôt par là-bas. Je vais le faire par là-bas plutôt. Partir... ok, ensuite on va faire un palier ici pour si on veut continuer à cet endroit là. Et là je vais faire un escalier qui va être retiré après pour mettre les éléments de toiture que je n'ai pas. Voilà, fin du game. Je vais pas pouvoir tout faire, il va me falloir des millions de trucs. C'est pas grave, j'en ai déjà quelques-uns qui vont aller. Non, je... putain, j'ai en train de construire un truc alors que je voulais pas le faire. Ah, oh, c'est chiant ça. Là. Ici. Ah putain, c'est le truc inversé là qu'il faut. Hop. Hop. Du coup, je vais pas le mettre ici. Je vais le mettre. Et au bout, je pense qu'on fera un petit angle. Ouais, c'est pas mal, ça me semble bien. Là, donc là, il faut un angle entrant. Enfin, tu vois quoi. Bon, c'est pas vraiment... après, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais... oh, pas de problème, y a pas de problème. Pas celui de dégâts, hop là, barre de fer ici. Ensuite, pourquoi je peux pas les... ah putain, bah ouais, je me disais je pouvais pas les faire, mais c'est normal. Je vais en faire une, deux, et là on va en faire deux aussi. Par contre, enfin, peut-être que j'ai plus de fer sur moi parce que si je peux même pas la réparer, ma pioche. Bah oui, je suis con, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'en ai fabriqué plusieurs? Alors que je peux les réparer. Quel con.
achète. Alors, pas les couilles. Ça. Dacturanienne. Pourquoi je vois pas les dégâts? On va faire une des dagues ou une épée. Je sais pas. Peut-être faire des dagues. Histoire de. Au moins, comme ça, on fera déjà plus de dégâts. Les bestioles. Bestioles. Ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Faut qu'on fasse un putain de lit aussi. Un vrai lit, histoire de. Lit. Donc il me faut de la peau de bête, du bois. Ton perso il a les mêmes cheveux que le mien, ça me perturbe, sauf que le mien. Sauf que la mienne que Black. Mais bon. Eh bien, ma foi. Bon après là je l'ai fait vénère. J'essaie de la faire un peu vénère, genre. Je suis fraîche mais. Pas dispo. faudra aussi s'occuper de faire du poiscaille. De la bouffe. Ça va être important aussi. Il est où mon feu? Putain, il est de l'autre côté. Ah, mais je passe à côté de tout. Je suis pas trop con. Mais non. On va en prendre 200. On va en prendre 26. Ça sera pas mal. Les pierres, pour l'instant, je sais pas du tout ce que j'en fais. Oh. Ah d'accord. Ok. Ah bah je savais. Bien ma foi. Oh putain, on peut courir. On peut courir. Mais par contre, je crois que les vêtements influent sur. Les vêtements doivent influer sur le. Sur le poids, non? De toute façon. Lire. Pour l'instant, j'ai que de la merde. Il faut des trucs. Bon, après, on est qu'au début. Piège à crustacés. Il faut des branches. On va peut-être mettre quelques petits pièges à poissons. Il faut quelques petites branches et. Il n'y a pas des branches là. J'ai pas envie de lire. Ah, bah tiens, des branches. Moi je me suis fait des magnifiques dagues et je m'en sers pas. Hop, il nous faut de la fibre aussi. Oh, je suis déjà trop lourd. Putain. C'est un sketch quoi. Alors là quand t'as 40, 50. Bon, c'est un peu mieux, ça reste. C'est pas dingue non plus quoi. C'est pas non plus folichon. Up ça de manière assez up. Là, alors, on va faire des petits pièges à crustaces. Des pièges à poissons plutôt. Une nasse. Une nasse. Bon. On va ensuite aller poser près de chez nous. De toute façon, il va en falloir pour faire. Je sais plus quoi, il y a un truc. Il y a besoin de m'en donner de ça pour faire je sais plus quoi. Hop. On va faire ça de manière organisée. Pourquoi je peux plus? Qu'est-ce qu'il me manque? Des branches. Des branches. Ah là là, comment monter le poids de manière. Facile, je sais plus. Survie. Vous pouvez manger de la viande crue sans le moins d'intoxication. Vous recrutez les ressources deux fois plus vite. Ça, c'est. C'est ce qu'il nous faut, ça. C'est le truc que je need à mort. Ok, bon, pour l'instant c'est mort, mais
Ça va venir. Quelques branches. Donc à faire, on prend les cailloux. Mais il nous faudrait aussi une faux pour aller plus vite. Ça, parce que là, les. S'il te plaît, les ramasser à la main. Ça va vraiment deux secondes, quoi. Mais pas les fossiles, justement, en fer. J'entends une bestiole ou. Non, c'est mon imagination. Pas sympa ce baraque à lui. Hein. Bon, après, c'est dommage pour les fondations, mais. Je crois que j'aurais préféré tout refaire que ça, tu vois. Pour le jour où là je la refais, elle. Je peux te dire que. Oh, ça va y aller. Ah, de la peau, c'est vrai. Évidemment, j'ai gardé mon scalpel de boucher. De merde. Bon, là, faut trouver de la bête. Et je peux te dire que ça va défroyer là. Depuis le début que je joue, depuis ce matin, je me fais emmerder à tout bout de champ par toutes les créatures du monde, de l'araignée à la biche, et même les biches m'en voulaient, aux alligators, tout ça. Et là maintenant que j'en cherche, il n'y en a plus. S'il vous plaît. Qu'est-ce que j'avais attribué comme bouton pour verrouiller? Je sais plus. Ça s'est bien passé. Quoi? Pourquoi ça marche pas? Ça y est. Alors, une bête. Par contre, c'est quoi? C'était quoi mon bouton pour le verrouillage là? J'avais choisi un bouton. Alors hop, X, bah c'est X pourtant pour un. Oh, je sais pas pourquoi ça a pas marché. Je ne sais pas. C'est trop marrant ça. Une bête. Ah, les caribous là. Mérite, hein. Parce que. Dans la vraie vie, ça, c'est. Tu vois, ça t'attaque pas. Lui, il. Mais mon système de locage ne marche pas. Oh, je suis bugué sur un morceau de sol qui. Physiquement. Il y a un ennemi, mon pote. Allez, hop. J'espère que. Alors, tout à l'heure, quand j'ai fait ça, ça a fait planter le stream. Pourquoi, je sais pas, mais on va voir si ça recommence. Au moment du chargement, ça a fait planter le stream. Donc, bon, vas-y, on va voir. Pas de bug. Parfait. Pourquoi j'avais besoin de ça déjà? Je sais plus. Il est infernal. Il sait même pas pourquoi. Putain, j'avais besoin de faire un truc, mais je sais plus quoi. De manière la plus honnête qui soit, je suis désolé, je ne sais plus. Oh, ça va me revenir. Qu'est-ce que j'ai besoin de crafter un truc? Je sais plus quoi. Ah, un lit! Un lit, putain! Je voulais faire un putain de lit. Voilà. Ok. Hop.
faut. Attends, ça. Envoyer l'inventaire. Voilà. Bien. Ça c'est fait. Matière première. Est-ce que j'ai besoin de mettre des matières premières? Est-ce que j'ai besoin de mettre des matières premières? Ou est-ce que je dois utiliser mes matières premières? Comment on fait déjà les torchons? Ça, il faut de la branche. J'ai combien de branches? J'en ai 51. Ça, je crois qu'il en faut un ou deux. Battery low. Ah! Ça, c'est la tristesse. On va monter à charger. Hop. Voilà. Charging battery. Voilà, voilà. Alors, ensuite, ça, il m'en fallait aussi quelques-uns. On va prendre 3 dessus. Ça me paraît plutôt correct. Et là je pense que c'est pas mal. D'abord je vais faire des... Je vais continuer à poser mes nasses. Okay. Donc... Hop, mettez-vous bien en rang. Pas assez de ressources. En plein de merde, total. Ah oui, ça te donne de l'icor ou de l'icor ou je sais pas quoi. Salut, oublie pas d'interagir sur ton lit pour l'activer. Si tu meurs. Ah ouais, bien, mais je crois que je l'ai fait. Je crois que je l'ai. Et puis, bah, bienvenue à toi, Morcor. Mais je crois que je suis lié déjà. Automatiquement. Lié overdose, ouais, tu vois, je suis. Point de retour, mise à jour. Ah non, genre, je l'avais pas fait. Merci à toi. Parce que franchement, je pense qu'en cas de décès, j'aurais eu bien, bien mal. Pour pas dire une déception, mais alors. Ça m'aurait pas fait kiffer du tout. Hop, on va rajouter un peu de lumière ici parce que... Ah mais attends, j'avais pas prévu de faire un étage. J'avais peut-être prévu de faire un étage. Moi dans le doute. On va aller redescendre un peu. Hop, et que la lumière soit. Merci pour ton petit follow, ça me fait plaisir. On sera encore plus à faire Nawak. Et n'oubliez pas, si jamais vous êtes chaud pour qu'on joue ensemble, je suis moi tout à fait chaud patate. Ah putain, merde, plus rien. Je me pose à l'arrache, vite fait. Hop. Et toi, je vais te mettre. De toute façon, c'est provisoire parce que je compte en mettre davantage par la suite. Je vois rien, mais je vois foutrement rien. Attends, je dirais à peu près ici. Voilà. Ok. Ça, on en mettra encore plus tôt ou tard. Il y a beaucoup de choses à finir pour faire le toit. Hein. Bordel. Il y a les sols aussi en grès qu'il faudra placer. Ça, il y a ça, il y a ça. Alors je débute non, dans ce serveur oui, mais alors non, sinon j'avais déjà joué auparavant. De manière... Oh, je me suis trompé, j'ai pas fait les bons. Putain, quel con. J'ai pas fait les bons. Alors, attends, on va faire ça. Non, j'avais déjà fait une partie sur un serveur x2, et pas x10. Et là, en fait, c'est juste que je veux pas remettre autant de temps en fait à tout refaire. C'est juste, j'ai pas récupéré mes branches. Putain. Comme j'ai pris, c'est comme ça m'avait pris beaucoup de temps la première fois. J'ai vraiment pas envie de tout refaire. C'était trop long, quoi. Donc, eh ben, j'ai décidé de m'octroyer un petit bonus. Et du coup, ben. Voilà, je me retrouve sur un serveur x10, donc le projet, bon, là, celui où je suis, j'ai l'impression qu'il est pas ouf, parce que ça fait déjà 3 ou 4 fois qu'il pointe, donc je sais pas s'il est pas abandonné, sans qu'on voit le nombre de construits qu'il y a dessus. Ah,
Ah oui, quand même, 700 heures. Je sais pas, je dois avoir 90 heures de jeu. Ah, tout cassé. Je crois que je suis à 90 heures. Dont peut-être 87 de farm. Et vous-même, vous savez, je pense, parce que c'est une partie. De toute façon, si tu farmes pas sur ce jeu, il y a un souci. Hop. Ok, merde, cette limite de points. Bon, après, ça n'a plus aucun sens, mais bon. Je serais quand même pas contre. Un autre plat comme ça, voilà, et j'ai des cailloux fort heureusement pour faire. J'ai du bois, j'ai un peu de bois, c'est bien ça. On va le mettre hop, juste ici. PVE, PVE, PVE. Hein. Pour l'instant, je suis pas. En fait, ça fait trop peu de temps que j'ai repris le jeu pour accepter de rager comme un enculé tout de suite. Tu vois, c'est encore trop tôt. C'est vraiment trop tôt encore pour que je puisse me dire qu'à un moment ou un autre, je vais tout perdre. C'est pas possible. Je ne veux pas. Ah bah non, y a pas besoin. Ok, bon. Ok, toi de chaume, is already to protect me forever. Voilà, c'est quand même sympathique. C'est quand même sympathique. Alors on en est où ici? Hop, ça dégage. Merde, ça dégage. La résine, j'en ai pas forcément besoin maintenant. Oh là, la viande! Avant que ça pourrisse. Bon, après. J'ai pas de bac à sel encore. Donc, combien de temps c'est consommable? Oh, ça va. Ça va, ça va. C'est pas non plus. Ça va, c'est pas la mort. Hop, de l'île de Tanner. Ça, là-dedans, let's go. Est-ce que je prends tant de viande sur moi ou pas? Ça fait beaucoup. De quoi j'ai besoin vraiment pour progresser? J'ai besoin de quoi? Attends, d'ailleurs... Oh putain, 3 points. Aptitude. Compagnon maçon. Ah, ça commence. Ok. Est-ce qu'on peut évoluer encore en termes de... Non. Maître maçon. Et ça, il faut quoi? Nécessite le niveau 30 et les outils en acier. Les outils en acier nécessitent... Le niveau 30. Ok. Ok, ok. Bah, de toute façon, en attendant, je crois que je vais. Je vais piocher. Je sais pas. Peut-être piocher, faire un max de ressources. Après, je préfère Conan à Arc niveau graphique. Je trouve les constructions plus jolies sur les. Avec les DLC. Ouais, bah, carrément. Franchement, il y a moyen de faire des trucs de ouf. Surtout en mélangeant les styles. Honnêtement, on sous-estime les styles. Surtout. Putain, ça, j'avais oublié ça. J'ai le Turanien et honnêtement rien que lui déjà tout seul il est très très beau. Mais il est cumulé à je sais plus quoi. Ça donnait vraiment un truc de ouf. Attends, je vais dire quoi, construction, donc en style. Donc, ouais, donc moi j'ai celui-ci, ouais c'est bien ça, c'est le Turanien.
celui-là j'ai trouvé un peu space. Mais t'as mélangé avec l'Aquilonien, c'est une tuerie. Yamatai, ça va. Le Kitan et l'Aquilonien, ils vont bien ensemble aussi. Mais moi j'avais le Turanien et honnêtement, Joe c'était pas mal. C'est déjà pas mal lui. Hein. Pâtissier spécialisé. Il n'y a pas ça de la fois que j'ai joué moi. Scène. Ok. Monte charge. Ça sera pratique peut-être plus tard. Bon, je veux dire, on est sur PVE, ça sert à rien. Sushi, ouais, il est beau aussi. Hein. Moi, j'adore la culture japonaise et je me tâtais à le prendre aussi. Mais finalement, bah, je l'ai pas pris. Comme tu peux le voir. Parce que le Turanien m'allait bien. Pas plus. J'ai pas d'autre explication à donner. Hop, cet escalier ne sert plus à rien. De toute façon, cette base est là, mais jusqu'à quand? Nous ne le savons pas. Je vais peut-être aller mettre des torches droites pour étendre un peu la portée de ma base et éviter qu'on me carotte de l'emplacement. C'est bâtard, mais quand je vois ce que les autres ont fait de la map. Hop, alors il faut quoi? Des barres d'acier, putain. Je vais en 5. On va en faire, je sais pas, une petite dizaine peut-être. Ouais, mais attends, il faut faire des torches du coup maintenant. Il faut faire des torches. Combien il y en a dedans? Il y en a 4. Pour faire ça, il en faut une. Il faut 5 de bois aussi. Donc le bois, on va en mettre 50 aussi. Et il faut que je rajoute. Toutes les sont bonnes, donc il faut que je fasse 6 torches. Celle-là, je sais qu'elle est. Non, elle est où? Je l'ai jetée. En vrai, je crois que je l'ai jetée. Non, je sais pas où. C'est pas grave. C'est pas méchant. Construit en glace noire. Alors, la glace noire, c'est bien, mais en fait, quand t'as un style. Quand tu déverrouilles un style, honnêtement. Pour moi, ça vaut pas le coup, en fait, de faire de la glace noire. C'est sympa, hein, mais les styles, ils sont quand même bien plus jolis, quoi. Et je crois que c'est plus résistant en plus, hein. Il me semble. Hein. Je crois. Je suis plus sûr, mais je crois qu'on avait fait le test et on avait conclu que ça valait plus le coup de faire les styles déverrouillés qu'autre chose. Bon, je suis blindé en ressources. Alors on va poser tout ça. Hop, 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 ça. Hop. Ça aussi, le ça on va le garder. Ça pour l'instant, je sais pas si c'est vraiment utile de l'avoir. Et on s'apprête à aller faire une expédition du coup par là et récupérer un max de pierres et de fer. Et histoire de mal aligner avec le sol. Mais comment tu veux que ce soit mal aligné dans le sol? Faut le planter, mais t'es con quoi. Hop, là, comme ça. Peut-être m'éloigner un peu plus quand même. Incorrect pour un bâtiment, c'est pas un bâtiment déjà, c'est un pic-pic. Ok. À mon avis, là je suis trop près de. Le territoire appartient déjà à quelqu'un. Ah, et là je suis trop près de lui. Fuck. Là. À moi ça, on touche plus. Ne touche pas. Glace noire ou brique durcie, il me semble que c'est pareil. Ah mais la brique durcie du coup c'est plus facile à avoir. Enfin, je trouve quoi. Ouais, c'est peut-être moi qui. Peut-être que je dis de la merde hein, mais. Casser des cailloux c'est. Enfin, visiblement pour moi c'est plus facile. Ah.
Alors, continuons. Notre épopée sauvage, hop, d'agrandissement de propriété. Ah, ça parle déjà à quelqu'un. Ok, fuck. C'est bizarre comment c'est foutu, hein, les trucs, hein, mais bon. Mais ma foi, voilà, délimitation de terrain. Je sais pas pour le climat. Ah oui, 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 tu as raison. Bravo. La glace noire résiste mieux au froid. Et le turanien, lui, résiste bien. Enfin, non, lui, il est normal, il n'a pas de résistance particulière. Bravo. LBK qui nous apporte une précision de dingue. Ouais, alors ouais, il y a beaucoup de constructions autour de moi. Et je pense en fait que simplement le serveur est... Enfin, les modos, ils doivent pas supprimer les bases qui sont inactives. Et c'est complètement dommage. D'ailleurs, je vais essayer de trouver leur Discord et leur envoyer un message pour leur dire, voilà, votre serveur, il est pas mal, mais... bah, déjà, mettez-le à jour. Et ensuite, bah, mettez-le à jour. Puis voilà. Bon, on a un petit creux... Est-ce qu'on a up? Est-ce qu'on a des points? On n'a pas de points en plus. Je voudrais juste faire ça. Ah, mais attends, je peux manger la chair fraîche maintenant. Yes. Voilà. On a une outre quelque part. On n'en a pas. J'ai pas d'outre. Où elle est? Elle est là. Ah putain, faut l'officier. Attends, merde. Faut c'est une faucille, putain. D'autres l'étaient. Faut que dalle là, putain. Voilà, elle est pleine. La viande, elle est là. On a notre petite dague. Allez, on va aller chercher des cailloux. Ça m'avait grave manqué, les cailloux. C'est faux. C'est totalement faux, ça m'avait pas manqué du tout. Allez, si on peut trouver des trucs sur la route. Non, on va attendre d'être là-bas et de se blinder en poids, puis on va tout ramener. Alors, MDR, il faut qu'il active la destruction auto sur le serveur. MBK, c'est vrai, la glace noire, c'est pour le froid au nord et la brique durcie pour le climat chaud au sud. Et ouais, sauf que bon, bah, quand t'as un DLC que tu veux aller dans les montagnes pour le métal stellaire, et bah, t'en as rien à foutre. Tu t'habilles chaud, et puis basta. Soyez béni, je vous laisse en vie aujourd'hui. C'est en course auto. Pourquoi c'est cool que la course auto, je peux pas sprinter automatiquement. Attends, il doit y avoir un truc. Gameplay, nanana, 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 nanana. Je suis qui beau quelque chose, pas grave. Abonnez-vous automatiquement et téléchargez les mods. Je sais pas si c'est ça qu'il faut que je fasse ou pas. Paramètres serveur. Ah bah tiens, il y a un Discord. On ira faire un tour dans le Discord. En fait, c'est vraiment tout le papier, les cadavres. J'étais en train de me noyer là ou... Bon, hop, continuons. Les esclaves, ça va pas être pour tout de suite. Moi, je vais m'installer toujours à côté du grand village où tu vas. Alors, ouais, celui-là il est bien, mais en termes de ressources, si tu veux, je préfère mettre une paillasse à côté. Et aller en fait très très... Enfin, dans les montagnes, là où on s'était installé initialement avec mon pote. On s'était installé, si tu veux savoir... Oh, t'as l'air. Très exactement ici, là, sur toute cette zone. Là, sur ce plateau. Et en fait, il est inaccessible normalement. Donc du coup, faut y aller, faut grimper. Donc tu fais une muraille. Et on a fait un pont-levis. Et avec ça, eh ben mon gars, c'est pas mal.
Alors, où est-ce que je suis? Ok, je suis pas tout à fait encore du bon côté. Peut-être que j'allais chercher en haut. Regardez ça là, c'est dégueulasse, c'est des constructions à moitié commencées là. Oh putain. C'est pas beau. C'est moche. Apaisant. Je sais pas ce qui est apaisant, mais. C'est joli ça. On est peut-être sur une structure un peu japonaise, je pense. Non mais c'est bon, hein, tu peux arrêter. Oh. Et oui, c'est exactement là où je vais. Parce que du coup, je m'apprête à farmer le fer comme Jaja. Parce que là, disons que j'ai mes outils en fer, là, d'ailleurs. C'est quoi? Ouais, c'est le fer. Donc, j'avais pas assez pour faire de l'acier. De toute façon, j'ai pas encore de ressources suffisantes pour faire de l'acier. Donc, bah, en attendant, on va aller chercher la masse de fer. Et comme ça, bah, je vais revenir avec vraiment un peu d'avance. Ah là là, les pics là-bas. Putain. J'en ai fait des heures là-bas. LBK, il connaît. LBK, il sait que j'en ai passé du temps là-bas. Forêt. Ah, les esclaves, attendez. Bientôt, ce sera votre tour. Ce sera votre tour bientôt, là. Allez chercher les bons. Hop, bah bon, c'est fini. Me jugez pas parce que je bois du thé et pas du café. Hein, parce que moi, autrefois, les buveurs de thé savaient même pas ce que j'en pensais. Hop. Je suis désolé, j'enlève le casque. Oh, une sale gueule à cause. Oh la vache. Oh putain, c'est la débandade. Hop, et juste derrière moi se trouve la réserve d'eau chaude. L'eau tiède. Que se passe-t-il? Alors, attends. Allô? Et non, je ne ferai pas le coup de... d'oublier de remettre le micro et d'être comme un con. Merde. Où est-ce que je suis? Pourquoi t'es bloqué, toi? Alors, désolé, je fais ma petite life en même temps. Attends, si je le fais pas là, je ne sais pas quand je peux le faire. Alors, tu vas... Merde, les terres de Jackie et Michel. Pourquoi tu dis ça? Quoi ici? J'ai pas compris, j'ai loupé un truc, je pense. J'ai dû louper un truc, mais bon, ah, tant pis. Je comprends pas. Attends, est-ce que j'ai reçu des mails et tout? Ok, bonjour. Putain, ça m'avait pas manqué. Aïe aïe aïe, ça m'avait pas manqué. Alors, on va se mettre à peu près au middle. La paillasse, j'aurais eu bien mal de l'avoir oublié. Et voilà. Voilà, voilà. Et bah, c'est parti. Hein. De toute façon, hop, on se rappelle comment on faisait à l'ancienne, qu'on s'auto.
Et tu tapes, et tu tapes, et tu tapes, et tu t'arrêtes. Généralement, quand vous faites ça, c'est bien d'avoir de la musique hein, avec vous, parce que... faut du courage, hein. Parce que, disons que... quand t'as une pioche, par exemple, en métal stellaire, qu'elle est optimisée pour un rendement max, tu prends tes lingots de métal stellaire avec toi, parce que du coup, tu dis, bon, bah voilà, je prévois de lui niquer la gueule quelques fois. Et bah... Je sais plus comment j'en prenais avec moi, mais c'était une catastrophe. J'avais pas compris ce que tu voulais dire par Jackie. Ok. C'est un petit peu ce qu'on avait fait dans notre baraque. Hein. On avait des petites danseuses perso partout. Hein. C'était assez fun. Je récupère des bons en même temps. Salut Mathieu, qu'est-ce que tu veux dire par Redstone? Je ne suis pas. Ou alors j'ai encore loupé quelque chose. Casse des cailloux toute la journée. Non mais pour l'instant c'est vrai que c'est pas. Je pense que de toute façon le gameplay va pas forcément être ouf. T'es con toi. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles de Minecraft? Ah, d'ailleurs, en parlant de Minecraft, vous l'avez vu la vidéo du mec qui offre à, le grand-père qui offre à son gamin le bouquin de Minecraft au lieu de Minecraft. Ah, j'ai mis la vidéo, c'est éclaté. Je pense que c'est fait exprès, c'est pas possible, tu peux pas faire ça quoi. T'es un être humain normalement constitué, t'offres pas ça à un enfant qui a 6 ans. Oh, tiens, tu voulais Minecraft? Tiens, je t'offre ça, c'est bien, c'est un bon bouquin. Si tu parles de Conan, en fait, si tu veux, à la base, c'est pas un jeu de... Enfin, c'est un jeu de farm, hein, c'est sûr. C'est un gros jeu de farm. Mais à la base, c'est un jeu de survie, c'est pas un jeu de... Tu construis pour ta survie, mais à la base, tu construis pas pour ton confort. Après, si tu construis pour ton confort, c'est toi qui le veux. Et comme c'est ce que je veux, bah... C'est fin d'histoire. J'ai pas d'autre explication. J'ai toujours pas d'explication donnée. Hein. Mais généralement, mes chutes, elles sont jamais ouf. Jamais, c'est... Je suis pas un pro des chutes. Là, c'est généralement, c'est... Quand il y a un mot inconnu que je connais pas, je dis à ma copine « Tu sais comment on dit ça ?» Elle me dit « Non. » Et genre, elle attend que je lui dise la réponse. Et elle me dit « Et toi, tu sais ?»« Bah non. » »« Bah non, sinon je demande pas. » Attends, faut dire... Moi, être intelligent, c'est... Non, c'est pas... Non. On est 9 actuellement. Merci à tous en tout cas. N'hésitez pas à follow si c'est pas déjà fait. Ne serait-ce que pour m'aider à progresser. Ouais, si c'est déjà fait, bah, merci beaucoup. Je vous aime. On fera pas de bébé ensemble, mais je vous aime. Et je promets. Je vous le promets, j'irai me coiffer pour cet après-midi. Après cet après-midi, ça sera League of Legends. En revanche, ça sera pas du Conan. Dieu seul sait qu'il ne faut pas faire trop du même jeu d'affilée, parce que sinon, c'est le meilleur moyen pour se dégoûter. Sauf quand, bah, si admettons que vous commencez aujourd'hui Conan, vous découvrez tout de chez tout, bon, bah forcément, si tu peux y aller, hein, t'as le temps avant de te dégoûter. Après, je dis ça, je suis pas dégoûté, hein, du jeu, loin de là, il est trop cool. Hein. Mais si je veux pas me lasser et me dire, oh, j'ai la flemme, je retourne pas, j'ai trop cassé de cailloux quoi. Parce que des cailloux, c'est bon. En veux-tu? En voilà! Tu as vu le nouveau mode survie, la bêta en avril, New World. Non, c'est pas du tout. Je ne connais pas. Après dire, là en ce moment, je suis pas du tout sur les actus de jeu, tout ça. Parce que là, pour être honnête, il y a un seul jeu que j'attends depuis des années, c'est Lost Ark. Lost Ark, si vous connaissez pas, c'est un peu sur le principe. C'est un mélange entre Black Desert Online et Diablo 3. C'est un petit mélange des deux. C'est un hack and slash en mode
mode open world, mais bien plus stylé vraiment, avec des attaques de ouf. Il va péter, alors il va péter quoi, le caillou, le nouveau mode survie, ou le... Attendez, hop, on fait ça, je crois que c'était ce bouton là. Ah, le nouveau jeu Cyberpunk, bah ça on l'attend tous, hein, Cyberpunk en même temps, c'est... J'ai été parmi les personnes très déçues de Anthem. Si vous ne l'avez pas été, bon bah, vous avez de la chance. Et maintenant, bah, je vais attendre que le jeu sorte, je vais attendre qu'il y ait des retours, et je vais attendre de voir en fait vraiment des critiques constructives et des choses en fait, parce que Anthem, si vous voulez, c'est un jeu qui est très beau, il est vraiment très bien, t'as moyen de t'éclater de ouf, de te prendre pour Iron Man en sens propre. Sauf que le jeu, enfin le codage, ça a été fait avec... je sais pas si c'est avec son pied ou son cul qu'il a fait le gars, mais c'est dommage. Le jeu, tu peux avoir le meilleur stuff du monde, t'es moins fort qu'un mec qui a un seul item. Enfin voilà quoi, c'est un jeu de ouf. Pour info, je stopperai le live sur les coups de 11h25, parce que j'ai un gars qui vient... Enfin, je mettrai sur pause hein, le live seulement, je pense, je sais pas. Ouais, si, je le mettrai juste sur pause, parce que j'ai un gars qui vient pour m'acheter un ancien écran de PC. Alors, peut-être que je laisse le live, comme ça, si jamais il essaye de m'assassiner ou de me cambrioler. Bon, après, pour me cambrioler, faut y aller. Hein. Beau bébé je suis, 1m90. Je dépasse depuis longtemps le quintal. Tant vous dire que ça fait du poids. Donc bon, généralement, quand on veut me faire chier, je suis assis. Quand on me fait chier, de toute façon, c'est quand je suis assis. Toujours. Et quand je me lève, 1m90, bah, le gars qui me regardait d'en haut, il se retourne à me regarder d'en bas. Généralement, après, ça calme. Ouais, oh, je suis pas méchant. Loin de là, j'aime les frites. J'aime le McDo. Non, pas trop. Enfin, j'aime pas le McDo. J'aime bien ce que je fais à manger. Faut pas aller au McDo, c'est pas bien d'ailleurs. Sauf les lendemains de cuite. Là, les lendemains de cuite, McDo, c'est obligatoire. C'est la religion. Y a pas le choix, hein. C'est comme ça. Alors, les cailloux, parce que là, je commence à un peu avoir flingué tous les cailloux de la map. Ce côté là, bon, ça concède pas mal. Faut que je pense aussi à faire la pierre, hein, parce pas que le fer, sinon je vais me retrouver à sec. Je n'ai pas Half-Life, alors je vais pas pouvoir avoir de ref en fait à comprendre, mais bon, je le connais non, mais pas plus quoi. Pourquoi tu dis ça toi? Comme si tous les samedis je prenais une cuite, c'est faux, c'est 100% faux. Genre, regarde, jour de l'an. Première fois de ma vie que je le fais pas, je l'ai fait avec ma copine. Elle est restée tranquille chez nous, j'ai bu que 3 verres. Bon, si c'est comme chez LBK, les verres ils font 1 litre, bon forcément ça peut vite devenir dérangeant, mais non, là, pour tout c'était des verres normaux, alors 3 verres de bière et puis pas plus. Mais non, je vais pas au McDo tous les dimanches. Loin de là. J'en suis très très loin. De toute façon. Dans un monde où il faut être riche pour le McDo, vu le prix que ça coûte. J'ai une info vraie à vous donner, une véritable info, j'espère que je vais pas me faire niquer pour ça. J'ai mon petit frère qui était manager à McDo, et il m'a dit les bénéfices qui se faisaient. Vous n'avez même pas idée de ce qu'ils se font. Un menu Big Tasty, vous n'allez jamais deviner combien ça leur coûte à produire. Jamais, c'est improbable. Une sauce potato, ce que tu sais que tu achètes 10 centimes. Tellement ils les achètent en grande quantité, vous n'allez jamais savoir non plus combien ça leur coûte. En gros, un menu Big Tasty, ça leur coûte à peine plus que 1 euro à produire. Pas plus, voilà. Et les sauces potatoes, ça leur coûte dans les 0,001 centime. Quelque chose comme ça. Et c'est pas des conneries. Les zéros, ils sont pas rajoutés pour le fun, c'est vrai. Sauf si un jour vous avez travaillé à McDo, vous le saurez. Enfin, si vous êtes passé par le côté management. Mais vraiment, McDo, c'est la plus grosse marge du monde. Vous achetez un McDo, ils en refont 10 derrière. Et ça, si c'est pas insane. Et il y a des trucs de ouf, hein, des fois.
genre s'ils sont en rade de frites, t'inquiète pas, ils vont pas hésiter à aller au Leclerc d'à côté, acheter de la merde, te le vendre comme si c'était des bonnes frites, alors que tu les as payées. Et eux, ça leur coûte 5 centimes la truc de frites, moins que ça même. Ils te la revendent 2 euros. Ils ont été l'acheter le sachet à Leclerc 40 centimes. Bienvenue dans le monde du showbiz. Moi, j'hésiterai pas à vous vendre des choses hors de prix alors que pour rien. Y'a un petit chat, tu veux dire? Allez, viens. Allez, hop. Et voilà. Non, hop là, voilà. Vous avez une queue qui passe à l'écran. Voilà, juste ici. Je parle pas de moi, hein. Le premier qui dit que c'est moi la queue. Allez, couche-toi là, je vais faire la coupe. Ah, j'ai plus de lingots de fer sur moi, donc à la fin de l'utilisation de la pioche, ça sera terminé. De toute façon, j'aurai suffisamment d'acier, tout ça, de pierre de fer pour faire plein de lingots. Peut-être que je vais plus. Ah, je crois qu'il faut du soufre aussi un peu. Hein. Je crois qu'il va falloir le soufre. Oh bah tiens, une construction turanienne. Oh, elle est pas belle! Belle. LBK, regarde ça, elle est pas belle. Regarde-moi ça. Quel dommage qu'on n'ait pas filmé la base qu'on avait faite. Oh, majestueuse, magnifique, hein. Oh, avec des putes partout. Non, ça c'est vraiment plus ça, c'est bon, on a mis des œufs partout. J'en ai déjà marre de casser des cailloux. J'ai peut-être assez de fer. Comment j'ai de pierre? Ah, j'en ai 13 000 quand même. J'ai pas besoin de fer. Ouais. Ça commence un peu à être sympathique. On est en comment sur notre poids? 2700% de notre poids. Très bien, c'est excellent. C'est exactement ce qu'il faut. C'est ma tasse. Alors. C'est de la pierre, je pense, parce que. On a surtout besoin de pierre pour faire. Prendre du bois aussi. Bois pour faire des caisses. La pierre, c'est tout pour les constructions, les murs, tout ça. Des parpaings. Ouais, mourir. C'est Dieu qui m'a puni, j'ai bu du thé. Oh là, triple ressource là.
donc c'est plusieurs. Et voilà, terminé. Allez, ça c'est fait. On retire. Attends, est-ce que je finirai pas vite fait avant de rentrer de trouver du bois? Allez, vas-y, les troncs là-bas et c'est bon. Et les troncs qui sont là aussi. Et les troncs qui sont là. Ça le problème quand tu farmes, c'est qu'il y a toujours un truc, il y a toujours des trucs à ramasser. Dès que t'as fini un truc, tu envoies un autre. Ouais, parce qu'il en faut du beau aussi dans ce putain de jeu. Hein. On dirait pas comme ça. Mais putain, mon PC c'est qu'il souffle alors que bon, il y a un intercooling quand même. Et... Oui, c'est vrai qu'on peut quand même ramasser des pierres avec les haches, là. C'est pas trop fait. Vraiment, si vous ramassez de la pierre avec de la hache, c'est que vous êtes cool. La faucille, faut la faire la faucille. Allez, on retire le bracelet, on va au lit, on ne se trompe pas. Un petit chat. Oh, t'es bête. Oh, t'es chou. Oh, t'es cotate. Petite astuce aussi, si vous êtes en galère de bouffe, tout ça, quand vous vous suicidez dans le coin, après, enfin, si vous avez la... si vous pouvez vous le faire, si vous êtes sur un serveur un peu modé, mais si vous pouvez le faire, honnêtement, vous vous respawnez sur vous-même et en fait vous faites de la viande, viande, peau et compagnie. Petite astuce. Ah, il y en a qui se suicide en boucle et l'autre, si vous êtes plusieurs, votre pote il. Bah, il prend son couteau de boucher. Soit il prend son couteau de boucher, soit il. Oh, je sais pas, il fait ce qu'il veut en fait. Ou soit il prend son couteau de tanneur, enfin de machin, vous avez compris. Et voilà. Peut-être mettre une deuxième forge, moi. Je sais pas. Rip, elle est pleine. Attends, comment on fait? C'est quoi déjà les ingrédients pour la forge? Faut pas faire attention, t-shirt, tu vas tomber. On va faire un deuxième fourneau. De toute façon, à la fin, on sait tous comment ça se termine. Tu finis avec trois fourneaux. Parce que de toute façon, t'as pas le choix, parce que sinon ça va pas assez vite. Tu sais que t'es en train de tomber là, tu sais que t'es... Putain, bon. Bordel de merde. Hop, un autre fourneau. Ça, là, on va le mettre dans le coin là-bas. C'est pas bien parce que du coup, je risque de me paumer dans ce que je fais. Merde. Je sais pas du tout si c'est bien. Est-ce que je ferais pas mieux de garder un petit peu de merveille comme ça? Pour deux poubelles. Hop, et ben let's go. Combien de temps ça va durer? 5 heures? C'est largement suffisant! Après, il aurait peut-être fallu quand même un peu de charbon, ça aurait été bien. Hop, on va remettre. Ah, oh, quel dommage! Ok. Le restant, je vais le mettre là-bas. Soit en termes d'expansion. Je pense pas que j'ai besoin d'agrandir spécialement la base. Ah, il n'y a pas de porte. Oh, imagine que quelqu'un vient et me carotte tout. Je sais même pas s'il peut, mais... Dans le doute... le bois, je vais le mettre là aussi. Le cristal, le cristal, le cristal, le cristal. Si tu fonds, ça fait du vert. Ah, merde. 8000 la barre de fer, c'est trop beau ce que je vois. Attribut, est-ce que je peux augmenter? J'ai pu augmenter, voilà, donc maintenant on récoltera les ressources deux fois plus vite que la normale. Augmentation du rendement de 100%, très très bien. On est niveau combien là? On est niveau, je vois pas mon niveau, je vois, niveau 25. C'est long! Alors, nanana, en bois, machin, ok, ok. Donc, il faut passer niveau 30 pour. Faut passer niveau 30 pour continuer, pour pouvoir continuer le niveau maître maçon. Donc, c'est un peu compliqué. On va peut-être faire une roue des esclaves.
Je sais pas. Armurier. Déjà, peut-être faire un murier aussi. Peut-être faire un murier et commencer à se dire qu'on va potentiellement se faire. Cheval de guerre. On s'en fout, on est pas en peu. L'hôtel de Mitra. J'ai pas fait l'hôtel de Mitra non plus. On s'en bat les couilles, puis on s'en bat les couilles. Apprenti, réparateur d'armes. Ça, ça va être important à faire. Alors, en construction. Fabricant d'escalier, machin. Ça, il faut le faire aussi, machin. L'ingénieur, donc on avait dit que ça servait à rien parce qu'on n'a pas de PVP ici. En décoration, pour l'instant, comment vous dire que je m'en tamponne, mais alors, possible. Le teinturier c'est partiellement utile. La meule, il va en falloir. Outil en acier, il faut. Putain, il faut être niveau 30. Salut Killer, merci pour ton follow, ça me fait plaisir. Le grand feu, je suis pas sûr qu'il sert vraiment à grand chose. Nourriture séchée. Il y a des trucs à faire sécher, je crois. Hein. Je crois qu'il faut faire sécher quelque chose à un moment ou à un autre. Hein. Je suis pas sûr, mais je m'en rappelle plus. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Peut-être qu'il faut faire ça d'abord. Ah putain, non. Ah, oh, je l'ai fait dans le vent. Ah oh là là, le retard d'affichage. Ah, donc. Alors, apprenti d'un maître d'écurie, nanana. Est-ce que je fais ça ou est-ce que ça sert strictement à rien? Je pense que ça sert à rien. Prêtre Mitra, vas-y, on va la prendre. De toute façon, j'ai encore des points, c'est pas méchant. Bénédiction de Mitra, ça il va le falloir. Hein. Il va le falloir. Niveau 50, enculé. Armure. Faire des armures turaniennes pour l'instant, je pense. Ah oh ouais, j'avais oublié, il faut faire ça. Mais pour faire ça, il faut faire le truc. Et avant de faire le truc, il faut refaire encore un autre truc qui va servir à créer un autre machin pour faire le bidule à la fin. C'est tellement chiant. Oh là là. Bon. Les massues. Marteau, c'est pas ça. C'est pas ça. Les massues, je sais pas où c'est les massues. Faisant d'armes, ça va être par là dans le coin. Hop, je vais actualiser chat vite fait parce que je sais plus qui fait quoi. Il n'y a plus rien. Alors, les massues, parce que du coup, il va falloir taper sur la tronche des types hein, simplement pour les étourdir et les ramener au camp. Ah, ouais, il faut faire les liens aussi, les liens en cuir. J'avais oublié. Ça doit être. Dans l'atelier d'artisan, je pense. Peut-être. C'est possible. Éventuellement. Eh bien. Pourquoi je suis sur quoi comme ça? Ah, bah oui, ok. Pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir autant de pierres sur moi. La fourrure. La fourrure, c'est au. Truc de fabrique de d'armure hein, qu'il faut le mettre, c'est pas un truc d'artisan, je suis con. L'armurier. Ah bah du coup j'ai pu. Putain. On avait dit 240 je crois. Et je crois que j'ai lu un truc comme 20 ficelles en tout. Hop. Alors attends. Si on fait. Armure, il est dans le. Bah non, il est pas dedans. Alors, armurier, il y a aussi l'artisan turanien que je dois fabriquer. Je peux fabriquer. Charpentier, c'est fait. La tannerie, c'était déjà fait. Ça, c'est juste mon tape total. Petite roue de la souffrance. Peut-être qu'on peut commencer par faire une petite roue de la souffrance, non? On va peut-être commencer. Ah! Faut plein de trucs. Oh putain. Barre de fer 75, 30 ficelles, 210 de pierre. 210 de pierre. J'ai déjà oublié qu'il fallait de ficelles.
artificielle. Oh sa mère. Il n'y a pas de ficelle ici. D'ailleurs toi c'est pas ici que tu vas. Alors l'armure il y a ici, ça, là. Ok. Barre de fer, barre de fer. Faut que j'oublie, je serais capable d'oublier. Il faut 75 barres de fer. Comme ça. 75. Le bois il me sert à rien, donc on va le mettre dans le truc de charpentier. Faut aussi que je pense à faire ça pour le... pour l'icor qui sert à je sais plus quoi, qu'il faut mettre dans je sais pas quel endroit pour ensuite le faire le bidule. Hop, alors bois, bois façonné ou bois isolé? Le bois isolé c'est pour quand on fait des matériaux pour le pour aller dans la neige, mais je crois que c'est le bois façonné qu'on a besoin dans un premier temps. Bon, on va faire ça d'abord. Bon, après il reste hein. Ça, il faut que je fasse quoi d'autre? J'ai des trucs à poser, je crois. Ouais, j'ai des trucs à poser. On va mettre ça. Hop, juste ici, un peu décalé. Toi, je vais te mettre juste ici, un petit peu décalé. Voilà. L'armurier. Donc l'armurier, lui, c'est lui qui a besoin de tout ça. 60 ficelles, j'ai besoin de ficelles aussi, putain. Maintenant, il faut que j'aille chercher un peu de ficelle. Qu'est-ce que je voulais fabriquer des choses, souffrance, putain. Je m'épuise. Et il me faut 220 de bois que je viens de lâcher comme un gros con directement dans le truc. C'est pas grave, on va aller en chercher vite fait, ça va être pas loin à piocher. Tu vois quoi. De ficelle là, de ficelle, la future ficelle plutôt. Hop. Et un peu de bois, il en faut 220. C'est bon, c'est déjà fait. Ok, roue de la souffrance, go. Ah non, j'ai pas fait la ficelle. De souffrance, go. Cette fois-ci, c'est bon. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir la mettre? Ah, cet instant. Hop. Et voilà, nous sommes de retour sur le stream, les messieurs, dames. Désolé de l'AFK, j'ai vendu un écran d'ordinateur. Il est à présent vendu. Le mec était sacrément relou. Je ne suis même pas mort devant mon abri. Donc le mec était relativement relou. Il m'a tenu la jambe pendant environ 150 ans. Comme vous avez pu le voir, je suis parti depuis un moment. Alors il est 11h58, il est venu à 11h30. Le gars il est venu, il m'a dit vous prenez l'échec. Bah, bien sûr que non, je prends pas l'échec. Bonjour, je peux vous arnaquer? Pas vraiment, non. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Bon, donc ici, il nous faut du gruau pour faire les esclaves. Je crois que c'est des graines qu'il faut. Ouais, des graines tout court. Un truc comme ça, hein. Je crois que vous faites des graines dans le feu et dans le truc de bouffe et ça fait... ça vous fait des machins, tu vois. Vous avez compris. Esca, il faut un esca parce que là ça. Ah putain. Non. Faut des cailloux maintenant. Oh là là, c'est pas vrai. Ok. Escalier. Parfait. C'est vraiment ridicule hein, de faire ça, mais. Mais voilà. Je le préfère. C'est beaucoup mieux. Hop, ensuite, si je balance les graines là-dedans et que je fais OK, eh bien, il ne se passe rien. Je ne sais plus comment on fait. Allez hop, ça part sur un recette gruau Conan.
camp à l'aide de fibres stales et de... Ah putain, faut des fibres. Bien vu. Boum. Okay. Oh la vache, on fait beaucoup. Je ne sais pas trop à ça. Hop, ok. On va aller en mettre là-dedans. Pour l'instant, ça va être juste du stockage parce que, à vrai dire, j'ai pas de quoi. Je sais pas quoi en foutre d'autre. Hein. Ok. Pioche en pierre, on va te faire foutre aussi. Couille. Ensuite, maintenant, il nous faut une massue pour aller chercher des esclaves. On va recommencer la récolte d'esclaves. Masse. Est-ce que la masse peut servir à taper des gens pour les assommer ou non? Ou alors est-ce que je suis trop con? Aptitude de... Cogneur, on n'a pas pris cogneur, donc déjà ça va être compliqué si on prend pas cogneur. Ensuite les armes. Et je pense que ok, donc on a là, on a pris cogneur, marteau, nanana, il faut une massue normalement. Ah je crois que c'était pas ça que je voulais prendre. Je suis vraiment un boulet. Je suis vraiment un boulet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Yes. Où est-ce que c'est? Je sais plus. Ah bah demain, c'est pas ça, marteau, c'est pas le marteau. C'est pas les marteaux, c'est sûr c'est pas les marteaux, t'as bon, les bouquins. Turanien, c'est. Il est pas foufou. Mais... Ça aurait pire. Âge de guerre archéologienne, ouais non c'est pas ça qui me rend attention, ce sera le métal stellaire. Je sais pas où elles sont les massues en fait, j'en ai aucune idée. C'est peut-être aussi parce que je suis pas. J'ai pas le niveau requis hein. Mais peut-être un peu tôt pour essayer de choper des esclaves. De toute façon faut juste que je monte de niveau donc c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, le truc d'alchimie, je l'ai pas crafté encore, mais il va falloir que je le fasse. Qui est là, il faut 50 barres de fer et 20 ficelles. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ou non? En ficelle, j'ai pas du tout ce qu'il faut. Non, j'ai vraiment rien. J'ai plus comment. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Oh là là, putain, tout ça, on va me faire chier. Donc, il me faut 20 ficelles, 50 barres de fer. Merde. Mais non, il est quoi? Hop là. Et ensuite, il me faut donc de la ficelle pour ça. Hop, 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 attendez. Et les outils. Outils. Est-ce qu'on les a pris, les outils? Survie, outils en fer. Pourquoi j'ai pas pu faire le... Si j'ai des outils en fer, pourquoi j'ai pas pu faire la faucille? Voilà. Ça devrait être là. Mais c'est pas là. Ah ouais, donc en fait, ouais, vraiment, faut que j'arrive niveau 30 d'abord, quoi. Ah ouais! Ah ouais, donc du coup, sans doute qu'il va falloir péta des trucs, se battre un peu, je sais pas. Je suis niveau 25, alors... Je suis que niveau 25, en fait. C'est tout. Y a pas plus que ça à négocier, en fait. Ouais, déjà que j'essaie de me fighter contre des mecs et par contre juste... Juste en termes d'armes, c'est pas dingue ce que j'ai. La pique. Le pique c'est pas mal parce que ça permet quand même de garder à distance un ennemi. On va en fabriquer un.
Bon, bah, c'est bien, hein. C'est déjà pas mal. Ah ouais, les renforts en acier cumulés au lingot de fer. Qui permettent... enfin, l'acier... Non, faut faire d'abord de l'acier durci. Ou un truc comme ça. Bon, ouais. Stream simplement parce que bon, Conan c'est tellement gourmand en ressources et puis voilà quoi, de toute façon je vais pas éternellement jouer. Oh, les gosses. Bon voilà, bon écoutez les potos, on se revoit cet après-midi donc comme je vous avais dit tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, ça sera sur League of Legends. N'hésitez pas donc à me follow et comme ça bah, du coup on se retrouve tout à l'heure. Voilà, allez, je vous fais des bisous. Et je suis encore là parce que j'ai dû faire un alt tab.